Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de qui zone qui va regarder nos états de nom. Et nous comptons pour nous retrouver à l'espace des sports réels. Le point c'est nos Print TV, à travers Facebook, YouTube, Twitter. Et puis dans la cour Atlanta, Radio Grasse FM, 103.3. Et du côté de New York, toujours Radio Grasse FM, 92.3. Et dans la cour New Jersey, même, nous sous la radio Contact FM, 90.9 de notre PDG Hans Kader. Tout le monde New Jersey, nous comptons pour nous retrouver sous la radio Contact FM. Salut tous les hommes, toutes les femmes qui ont suivi nous de près ou de loin. Et l'équipe va dominer l'espace, mesdames et messieurs. Nous allons là pour nous parler notamment de Nelou Nicolas qui met un bout dans la carrière internationale. Et Nelou Nicolas lui-même, lui fait connaître qu'il a concentré et sous club lui, dans le pays de la France, au coup d'espace là. Nous allons gagner pour nous faire le prêt, mesdames et messieurs. Et puis à l'étranger, mesdames et messieurs, nous allons pour nous faire la ronde de stade pour nous venir avec différents championnats européens. Et si tout dans derby Manchester lui-même, équipe Manchester City lui-même, qui est arrivé imposer devant l'équipe Manchester United là. Et puis nous avons pour nous faire un coup de pied dans le pays l'Allemagne pour nous voir championnat ça lui-même, équipe Bayern Munich lui-même qui toujours a dominé championnat si là. Et puis dans le pays l'Espagne, dans la 13e journée, équipe Real Madrid là, Toni Kroos, Karim Benzema qui est arrivé marqué pour équipe Real Madrid là. Et équipe FC Barcelone lui-même qui balgue un nouveau entraîneur qui c'est Xavi Hernandez lui-même qui pourra diriger équipe FC Barcelone côté les balles remplacées. Ronald Koeman, mesdames et messieurs. Et dans le pays de la France lui-même, Neymar qui était un doublé pour équipe Paris Saint-Germain. Neymar, monsieur lui-même, vraiment qui était on fire. Mesdames et messieurs, dans le compte qui était arrivé jouer côté équipe Paris lui-même qui était imposé lui sans problème. Et puis donc, nous avons de la NBA rencontre qui était joué hier soir. Et rencontre qui a pris pour jouer jeudi en cette équipe Miami Heat. Lui-même qui était donc arrivé faire une importante victoire devant l'équipe Utah Jazz, mesdames et messieurs. N'a bien pour nous un peu de la NFL, rencontre qui t'est joué. Et puis donc, rencontre qui a bien pour jouer. Jeudi, mesdames et messieurs, c'est tout pour ça. Avec un pilote encore qui va le faire essentiel. Émission Power en lui-même. Qui est sport réel avec Zanny Power en British à l'antenne. Mesdames et messieurs. N'a profité ça notamment Mohamed qui a suivi nous là et nous saluons Mohamed depuis donc nous avons Fano McKinsley qui belle et bien connecté avec nous. N'a pas demandé nous capable partager vidéo, nous capable inviter des amis des fantis pour qu'ils suivent émission si la pas oublier chic avec notamment Maxwan Enterprise pour tout ça concerne nos policy assurance de vie ou santé. Capable de checker avec Maxwan Enterprise, il y en a 4620, ou est-ce qu'on commence à Beauvoir, porte 7B, téléphone, nous capable de contacter 954-909-5123. Et puis donc, pas oublier, allez sur Play Store, App Store, Download App, Tap Tap Now, le Download App, Tap Tap Now là, lui-même, côté tout manger, Aïssé Oye, ou app déjà connaît, qui côté aussi, capable de Download App, Tap Tap Now. Et vous sur Play Store, App Store, sans problème, vous capable de checker. N'a fait pause, mesdames et messieurs, après pause, n'a bien pour nous retourner pour les détails à l'espace des sports réels. N'a fait pause, après tout de suite, mesdames et messieurs, pour les détails. C'est compagnie Assurance Santé, nous mettez Santé à numéro 1. Tout au cours de là, nous là pour nous servir. Nous avons fait Assurance Santé, Assurance Vie, taxe, une seule compagnie. N'a fait des hauts à premier aujourd'hui. Bon!
assurance santé, dans gros compagnie Kankou, Embedder, Oscar, et Bright Health. Côté qu'on a un docteur gratis, côté que n'importe qui soit santé que besoin, est capable de venir gratis. Bon prix, un seul numéro pour servir 954-909-5123, 954-909-5123. Macron, c'est compagnie pas. TapTap Now is a mobile app that allows users to locate Haitian restaurants anywhere in the world. Quel que soit côté où il y a dans le monde, si vous cherchez un restaurant haïtien, montez sur TapTap Now. Que vous soyez à Paris, London, Inch, Jacmel, Hawaii, Toronto, Guadeloupe, Chili, Atlanta, Saint-Louis-du-Nord, nous là pour. For the restaurants in the U.S. and Canada, we offer a takeout option. Please contact us for more details. For Haitian food anywhere in the world, don't forget to tap, tap now. Mesdames et messieurs, Pablo Ossive, émission par moi les mêmes, qui c'est Sport Réel, et toi le prince, et nos prêts TV, nous à travers Facebook, YouTube, Twitter, et dans la Côte d'Atlanta les mêmes, Radio Grâce FM, et 103.3 de notre confrère, notre PDG, et passé Max Lucin, et passé Alexandre Venet, et tout le monde à Atlanta, nous saluons, c'est la Radio Grâce FM. 103.3, et puis donc dans la Côte New York, toujours Grâce FM, et 92.3, et dans la Côte New Jersey, c'est la radio Contact FM, et 90.9 de notre PDG Hans Kader, et toute fanatique qui a suivi nous, c'est la radio Contact FM dans la Côte New Jersey. Nous saluons tous les amis qui a suivi nous un peu partout. Et notre premier salut, Frisner, qui belle et bien connecté avec nous là. Frisner, nous saluons et nous demandons de partager la vidéo. Hein? Chenier François qui est bien connecté avec nous depuis Chili. Et nous avons bien salué Rosa Saint-Hubert depuis Orlando. Officier ou Diégène. Et nous saluons Officier Panon, DG Hippolyte, Jean-Messier, Docteur Abnel Augustin depuis Argentine et Coach Assel Fogg qui a suivi nous. Et côté nous, un premier salé, notamment côté Assel Fogg, et nous avons souhaité bon rétablissement à Madame Assel Fogg, Madame qui malade,
c'est bon établissement à madame coach à Selfort depuis Argentine. Et puis donc n'a pas eu ça les héros chéri depuis Québec. Héros chéri depuis Québec côté monsieur lui-même qui peut dire Fréli. Et nous saléo et héros chéri nous souhaitons aux condoléances puisque nous connaissons que séparation lui-même c'est pas un bagage qui est facile pour adapter à séparation lui-même. Héros chéri nous souhaitons aux condoléances mon ami mon frère. Bon courage. Et nous avons ça les DG grec depuis Cap-Haïtien lui-même. Et nous saluons DG grec depuis Cap-Haïtien. Et Civil Hugens, chaîne Augustin. Et nous pas oublier Fondi Zephyrin. Zef a fait pas nous. Nous saluons Zef qui a suivi nous. Et nous avons ça les directeurs Louben Joseph, directeur Labretta. Et tout intervenant nous. Et notre consultant James Deshommes depuis la France. Et du côté de Paris, et si tout nous guignons, et coach Alexandre Brice, et coach Plaisir, nous saluons, mon ami. Bon, et effectivement, et coach Asselfog, et nous souhaitons madame la bon établissement, puis c'est, nous connaissons vous-même qui avez souffri, en quelque sorte, nous connaissons que bagayo vraiment là, tout bagayo dans le monde. Mais on plein là, mais on chargé, coach Asselfog, nous souhaitons madame capable de retrouver santé première ligue sans problème. Et notre premier salé, Edouard Rigol, qui a suivi nous depuis Chili, qui est bel et bien connecté avec nous là. Et nous avons notamment Docteur Laurent. Docteur Laurent Joseph, depuis Miami. Docteur Laurent, nous saluons. Donc, et qui m'a dit que c'était là, était champion. Bon, nous saluons Docteur Laurent et Docteur Laurent, nous saluons qui branche avec nous. Red, et pas un problème, coach à Selfog, nous souhaitons madame là. Bon établissement. Mesdames et messieurs, nous avons entré avec notamment information nous yo et surtout nous gagnons la information que nous avons avancé avec Lila qui c'est donc Neloud Nicolas lui-même qui met un bout dans la carrière internationale. Je dis mon là Neloud Nicolas c'est un jeune Léoganais, mesdames et messieurs, qui a joué dans le club de Saint-Denis. Et lui-même qui mettait un thème dans la carrière très tôt, mesdames et messieurs, Neloud Nicolas, lui-même, lui fait connaître l'Ibab jouer pour sélection encore. Et Neloud Nicolas, lui-même, qui annonçait fait carrière internationale. Et vraiment là, c'est une nouvelle qui fait chaud. Hein? Est-ce que nous avons dit une bombe? Nouvelle là, c'est fait chaud. Hein? Neloud Nicolas, lui-même, qui annonçait sur compte Instagram, lui. Et vendredi à la Kelly Rete, carrière internationale est là. Et lui-même, il va le concentrer uniquement sur le club. Neloud Nicolas, qui a 22 ans, son attaquant qui est, un attaquant haïtien, vraiment, mesdames et messieurs, qui sorti notamment dans la cour Léogane, qui a vu dans le club Saint-Denis en France. Et lui-même, c'est un jeu vraiment là qui était tout à fait intéressant et qui vraiment là qui. Qui en forme et lui-même qui prend décision là et pour le mettre un terme dans carrière là après plus de 7 ans et la bail service et à travers sélection là il passe dans I15 I17 I20 et senior mais sur site et Instagram là et lui-même il fait connaître que lui met un terme dans carrière là. Li pa jouer pour sélection encore et li dit merci et à tout le monde vraiment là et merci pour bon moment et pour mauvais moment yo vraiment là et bon souvenir tout ça et en quelque sorte Neloud Nicolas est for life, c'est ça qu'elle dit. Bon il faut dire tout Neloud Nicolas lui-même mais qui notamment qui font bon passé et non et surtout nous songeons que là Yvain te joué en France en 2018, il était joué dans sélection ça et puis donc Neloud décision ça lui-même il fait connait que il pas affecté équipe lui, elle a toujours continué jouer dans club lui là et lui-même c'est ça que lui-même il fait connait et nous connait il fait connait qu'il y a un pilote joueuse. Et qui dit que il a mettre un thème dans la carrière là, mais surtout très tôt comme ça. Et pour Neloud Nicolas lui-même, il dit libre. Bon, et nous connaissons que tout ça était un gros déblouse à tout. Neloud Nicolas lui-même, il va pas tout détail.
ce moment là il dit que la met un terme dans carrière li, il est pas bien pour sélection encore, l'a concentré sur club li, mais ça va suffire. Et faut que nous d'abord plus de détails, mais il va pas plus de détails. Et nouvelle là lui-même lui te fait bruit, te fait gros compte fait tout dans le pays d'Haïti, mais et gros bruit fait, gros compte fait. Et si tu gagne papa Nelou Nicolas lui-même qui entraîne dans cause là, puisque il y a Billy Chalera, faut que nous dit ça, c'est ça qui sport réel là. Et nous sommes côte à faire, mais et grâce à FM et sport réel et toutes médias partenaires nous yo bagay nous pas voir aller, faut que nous délivrer aux gens. Jean, il doit délivrer. Ah, et Billy Chalera, qui fait team manager sélection lui-même, t'as l'agressé Nelou Nicolas. T'as l'agressé Nelou Nicolas, frappé Nelou Nicolas dans Mirai. Et Bagala a fait bruit. Et club Nelou Nicolas a dit que pour Nelou Nicolas lui-même, il a porté plainte. Et Nelou Nicolas lui-même, qui était relé notamment Carlo Maslin, pour le faire connaître que Billy a mis des mains sur. Carlo Maslin fait connaître Dinelud. Comment on dit que là même casse fait couvrir ça. M'bagonne si m'a bien dit lui là. Si m'a bien dit nous même nous ka écrit en bas vidéo. Hein? Et si m'a bien dit là, Carlo Maslin Dinelud Nicolas casse fait couvrir ça. Et maintenant en tant que secrétaire et si tout Nelou Nicolas lever dans mais Carlo Maslin ou c'est un secrétaire général, ou connaît tout ça qui se passe là. L'accusation, bannissement à vie de Dr. Yves Yamba. Et puis donc, Nelou Nicolas relé Carlo Maslin pour dire que Carlo Maslin, Billy Chalera, a fait agression sur lui, frappé un ami, pour la faire ce qu'on est connu. Et Nelou pas vrai. Quand Nelou relé Carlo Maslin dit que. Casse feuille, couvre ça, quitte ça là, on ne pas faire bruit avec ça. Et papa, Nelou Nicolas, et fâché, boudé, et checké Carlo Maslin, gros coup de fer, gros dégâts. Maintenant, bagala est venu plus compliqué là, et surtout, papa Nelou Nicolas, yo menacé lui, et tout ça. C'est ça qui cause la décision arrivée, oui, là. Nelou Nicolas, lui-même, c'est le fait 1999, 26 juillet 1999, à Léogan. Écoutez, lui-même, il était donc formé dans le club Anacaona, à seulement 22 ans. Écoutez, Nelou, lui-même, il mettait un thème dans la carrière, là, international. Et Jean de Donan, là, qui fait I-15, I-17, I-20, et senior. Il était joué dans l'Eddie Cobla en 2018. Il était joué contre Kaka Féminin U20 dans la Côte Trinidad. Et champion du monde féminin U20 qui était fait en France là. Et dans l'autre compétition et senior. Maintenant, Nelou Nicolas, ça m'a vraiment connu. Est-ce que Nelou Nicolas a porté plainte vraiment dans le pays de la France? C'est ça que m'attend. Malgré que Lydie lui met un thème dans Kayali. Et ou non, gros pays, la France, si que ou vle on baga avance vrai, si tu yo menace papa tout ça là en ligne de compte, qu'on y a, et nous parle de pour nous connaître, est-ce vraiment là, Nelou Nicolas, pour te plein de vrai, puisque là, pas rien qui dit de Billy, bon, fédération lui-même, pas faire sauter aucune note, parce que tout le monde n'en fait noir. Tout le monde en fait noir, mais Bagala lui-même te fait bruit. Et Nelou Nicolas lui-même, et te checker tout le monde pour te checker. Quand y a là, si yo jeune en tête pour retirer plainte là, ça c'est that's up to you. Mais ça que nous-mêmes nous attendons, est-ce qu'il y a un avancement? Est-ce que vraiment, et Nelou Nicolas peut ton plainte vrai? Et si tu, Billy Chalera toujours là. Et papa Nelou d'entrer dans cause hein. Donc on est que ça va on va répéter. Azema Rose nous saluer là depuis Saint-Domingue. C'est Junior, pas un problème nous saluer Junior. En tout cas là
pour Neloud Nicolas lui-même, et Neloud Nicolas lui-même qui mettait une fin de carrière là à l'âge de 22 ans, et nous-mêmes qui assis moins de près ou de loin, qui écoutons sur la radio Contact FM, 90.9 dans la Côte d'Ivoire, et Radio Grâce FM, et nous-mêmes qui assis nous à travers médias partenaires nous, nous capables de relayer, mais nous capables de bailler point de vue par nous. Qui ça nous pensait des dossiers ça? 954, 903, 0922, 954, 903, 0922, ou capable de directement sur le numéro studio 1, et puis ou même qui va gagner longue distance, ou capable de nous sur WhatsApp, dans 954, 822, 751. Nous avons 20 ans de points de vie par nous. Un jeune qui a âgé de 22 ans, et qui met ton thème dans la carrière là. Et tu as des agressions sexuelles qui te fait sous lui dans le pays de la France. Parti Madia, il y a un français là qui fait Billy Chalera. Et maintenant là, Neloud Nicolas lui-même qui fait qu'on est que lui met un bout dans la carrière internationale. Nous-mêmes qui assumons de près ou de loin, et si nous avons opiné, nous sommes capables de composer 954, 903, 922, ou bien nous sommes capables de relayer sur WhatsApp dans 954. 822 sont ça s'égratté. Bon, et nous capables continuer à réaliser vraiment est-ce que c'est frustration qui fait lui mettre fin bonheur comme ça dans carrière internationale. Ou capable de sentir ça puisque agression sexuelle fait sur lui. Lire le secrétaire général là, continuer à réaliser, secrétaire a dit et casser feuille, couvrir ça. Et puis donc il garde qui déblosait avec Timadia ça lui-même. Qui c'est Billy Chalera. Hein? Et te a dit Club Lisa, Club Lisa dit pour le poté plainte. Nous ne connaissons pas ce que plainte ça poté vraiment. Et papa est venu d'entrer dans le cause. Il y a un gros joueur entre Carlo Maslin et papa Nelou Nicolas. Et même menacé ou menacé papa Nelou Nicolas. Capable de comprendre, fils à son vignon et partout. Quand je m'en vais. Et nous capables de composer 954, 3-0-9-22, ou bien vous pouvez appeler nous sur WhatsApp 954-822-7751, ou bien vous pouvez écrire en bas vidéo Saint-Louis TV, hein, et là, ça là, je suis capable de message nous, hein, et puis donc vous pouvez répondre nous, sans problème. Vraiment là, nous sommes capables de sentir une sorte de frustration là dans tout, et puis donc, Levin qui est entré, papa, Carlo Maslin, et entré dans le cause, hein, parce que la vie est vraiment compliquée là, et quand je m'en disais. Mais, nous croyons que si on joue, à jouer, je crois que je dois faire l'autre activité avec elle. Ça, c'est mon bagage immoral, ça y est. Ça, c'est une méchanceté, ça y est. C'est une méchanceté, ça y est. Vraiment, pas tellement de monde qui est. Bagage la fait bruit. Quelques mois de ça, il faut que je me tout n'est pas dit, non, là. Et quand il y a des gens qui ont parlé, ils ont remis Haïti, là. Entourage, Nelou Nicolas, qui ça a dit? Il n'y a pas fait aucun autre sorti, il n'y a pas dit, rien. Et puis, ils ont remis Haïti. Ils ont remis Haïti, oui, là. Et bon, bagay qui passe en dehors, pays d'Haïti, lui-même. Il n'y a pas rien, c'est celle bagay qui passe en Haïti, et bagay qui passe à l'extérieur. Si diable en Sibi agression sexuelle, pour ça, pas j'aime que monde qui dit rien. Oh, si diable en 18 ans, hein? Nous pas dire rien, mais l'autre monde qui dit en Haïti, il n'y a pas 18 ans tout. Là, l'autre bagarre passé là, il n'y a pas 18 ans tout. C'est pas possible, mesdames et messieurs. C'est ça qui mette nous là, côté nous, aujourd'hui, là. Toi blessé, aller. Et Kaloma Semba et Billy, full power. Il y a Jean, il t'y m'a dit, et puis donc, il a fait l'autre activité avec Tim et Damien. Passez sur yo. Mais c'est un segué. Vous êtes capable de dire, fou, mais ça, ou whatever, ça. Vous avez dit, sauve-le, hein. Mais c'est pas possible. Les jeux en lui même, là, jouer. Nous, on voit tout ça qui passe là. Ouais, côté football, là, campé là. Nous, on va même venir avec bagaille. Politique, bagaille différente, avant bagaille politique. Trop de désordre fait. Ça pue mal pas son café.
même ça que nous avons fait en Haïti, là, nous, qu'on y a là, nous jambes avec dans le pays de la France. Nous jambes avec l'autre bord de l'eau. Pas de monde qui dit rien. Nous avons des informations. Puis nous avons 50 dollars. Nous ne pas dire rien. Ça n'a pas d'information. Ça n'a pas important. Ça n'a pas de dossier pour nous. Hmm? Si c'est le dossier d'Ado, qui est le dossier? Hein? Oui. Oui, pas de monde qui dit rien de Billy Chalera. Tout n'est pas Billy. Qui c'est Billy? Billy, c'est quand Jeffrey est là. Et qu'on a fait manger pour Jeffrey. Et qu'on a là pour une promotion. Il vient de manager. Vraiment triste, mesdames et messieurs. Vraiment triste. Joueurs nous n'ont pas besoin. Et 22 ans seulement. Et puis donc, ils mettent nos thèmes dans la carrière internationale. C'est comme ça que nous voulons le football aller même pour aller. C'est comme ça que nous voulons pour aller. Nous ne pouvons pas forcer les gens à faire des choses. C'est comme ça que nous voulons forcer les gens. Nous ne pouvons pas forcer les gens. Nous sommes là et nous là. Un monde qui est petit. Hein? Un monde qui est petit. Comment petite fille, comment sont-ils? Comment sont-ils les garçons? Pour forcer les gens à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et puis donc, ils sont là au monde. Ils pensent que tu es aidé. Mais nous connaissons que Carlo n'a jamais délivré. Avec tout ça qui t'a passé là. Et dans la fédération, là, Kaloba, j'aime qu'on dit, hein, est-ce que c'est ça que tu as dit? Parce que de Billy à Enon et à Kalo, après un cop qui a venu, après un cop qui a fait, le temps fait au fait, Kalo, je ne comprends pas. C'est pareil qu'il y a eu là. C'est pareil qu'il y a eu. C'est dans cette situation, ça, vraiment, là, nous mettons le football là. En tous les cas, là, et, mesdames et messieurs, et soit peine région nous là, Neloud Nicolas qui gagne simplement 22 ans, limité, on thème dans la carrière internationale. Côté lui-même, il fait connaître qu'il va le concentrer directement en seulement à club, c'est Racing Club de Saint-Denis. Et lui-même, il font mettre de côté de la sélection nationale là. À cause des problèmes qui passent, qui gagnent. Côté Timadi à lui-même, t'as fait agression sur lui qui fait Billy Chalera. Hein? Il te relève Carlo Marcelin. Carlo Marcelin dit on nous quitte ça. On nous quitte ça là. On nous casse les feuilles et pour nous couvrir ça là. Mon ne pas besoin qu'on est. Et papa Nelo Nicolas entré dans la cause. Hein? Gros compte fait, gros joué. Maintenant là, et papa Nelo Nicolas dans chaud. Et yo même menacé li. La situation li même vraiment compliquée. Vin vraiment compliquée. Et Nelo li même pas venir chez là, li dit figuration, il dit met ton thème dans carrière li. Parce que nous gen des dirigeants qui pas qui ouais tête yo seulement, yo ouais tête yo seulement. On joue à jouer qu'on y a là, on va pas faire agression sur lui pour coucher avec. Pourquoi il faut que nous soyons d'accord? Et puis il faut que nous ne battions pas pour nous manipuler. Nous avons tout ce qui a fait pour lui. Le final, battre pour nous. Parce qu'on a fait bagaille pour lui. Ou qu'on y a en retour, on obtient un bénéfice. Là, hein? C'est pas ce que ça. Et puis donc, par exemple, il y a des gens qui disent rien. De ce qui a passé là. Tout le monde a fait noir. Ça n'a pas rien. La situation, ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment compliqué. Et là, on a regardé là. Football ça là que moi là football campé pas un football cap dans pays hein pas un monde qui dit rien hein? Qui ça qui a fait pas un monde qui dit rien hein? Pas un classement qui connaît qui ça qui a fait et l'en garde en pile monde qui t'a travaillé dans fédération mesdames et messieurs en pile monde qui t'a travaillé dans fédération là les il y a pas de gros plan là, mon tout et employé qui était bon, liste employé qui t'allait et côté bon, liste employé qui t'allait joindre notamment la FIFA. Liste employé ça lui-même. Et c'est ça, et Joe Durand, nous saluons Joe Durand. Yeah. T'es bon, liste, et t'es bon, liste qui t'allait joindre la FIFA, des gens qui t'allait dans la fédération. Liste ça lui-même.
gen pile moun nan lisa ki rete aux États-Unis. Après gol coup plan là et moun yo tout rete pour faire de TPS. Mais la FIFA li même tout yo voye comme pour non moun sa rete voye nan lisa ri là. Et ça qui pire là, la FIFA voye l'argent. Malgré que gen pile moun ki rete aux États-Unis, yo pa voye chèque ça, yo pa voye chèque pour yo. Il fait là yo tout abandonné. Par échec à Balvin Junior. Mais, et l'autre monde qui est en dedans là. Puis au pays, il y a des gens qui toujours, pour qu'on touche là. Pour nous demander de côté, dans quel niveau, et justice n'est arrivé là. Malgré que il y a plus de monde, il y a 6, 7, 8 monde qui étaient aux États-Unis, dans l'ISKE, vous devez voir la FIFA. Employé fédération. Malgré moun sa orete, gen moun ki rete en bas toujours là, qui nan lis moun ki employé fédération là. Gen moun yo style papé, malgré l'argent vini, pour de moun don nan ki niveau, ne yo rive là, c'est ramasse, ne yap ramasse. C'est ramasse, yap ramasse. N'a mande ki kote sa privé. Et quand il y a là, tout va camper. Et quand il y a là, nous sommes capables, si tu as un dirigeant qui t'a pensé, il est capable de faire notamment une sorte de tournoi dans la zone. Nous sommes ouais, les championnats vacances, tu as fait quoi en gagnant plus le monde. C'est même gentil, il est capable, puisque là, il n'y a pas d'avoué comme si, like, à cause de l'insécurité, pour l'équipe à sortir au Cap, pour aller à Léogane, ou bien pour aller. Et pour y aller notamment au CAI, j'étais capable d'écrire FIFA un projet. J'étais capable d'écrire FIFA un projet, et puis donc j'étais capable de faire une sorte de tournoi dans la cour au Cap, ou bien même dans CEMAC. J'étais écrit FIFA un projet, et puis donc pour dire que malgré problème insécurité dans le pays, y a là, mais ça que vous voulez faire, mais ça que vous voulez faire. On y a là, et si tout, j'étais capable d'héberger. Équipe là, on fait le même genre avec une sorte de phase pour nous la Coupe du Monde a fait, ils font une sorte de phase finale. Ils sont capables de mettre toute équipe ça, comme tu es capable d'avoir une équipe qui côté Wanamet, tu es capable d'avoir une équipe qui Milo, et puis donc une équipe qui au Cap. Et bien Tilly, non, tout nous qui a fait là, il est terminé. Mais n'est pas fini non là. N'est pas fini. Ça me met comme si ou un gars comme si messieurs, dames, qui ça que vous voulez faire? Bon, ça vous voulez faire lui-même, c'est dans un enfer noir qui est lié. C'est développé un bagage et la presse a déjà connu qui c'est que tu as de fait. Et qu'on y a là, aux jeunes des jeux là, qui n'a rien qui a fait non là. Et vous avez madame, vous avez petit. Parce que là, lui-même, c'est vraiment compliqué, mesdames et messieurs. La demande, qui côté ça, à privé, qui l'est, et pays ça lui-même, l'a prélancé. Et l'un dit que il était capable de voir une sorte de projet by FIFA. FIFA lui-même était capable notamment répondre. Et puis il était capable de checker si on a bail de l'État. Et en termes pour bailler une sorte de comment par exemple puisque l'angle de Gabion au Kaila lui-même toujours occupé, il était capable d'utiliser Paris Jean-Christophe. Il était capable d'utiliser Paris Jean-Christophe et puis donc il était capable de faire quoi, par exemple, vous êtes capable de faire équipe première, deuxième et troisième division, jouer ensemble, 5 dans le sud, 8 dans le sud, 5 dans le nord, 8 dans le nord, et même, vous êtes capable de jouer une équipe, la Tibonite, vous êtes capable de monter tout, aller dans le nord. Vous êtes capable de faire ça. Mais est-ce que vous avez des dirigeants qui ont pensé, et puis comment vous êtes capable de sortir dans ça que vous avez là? Et tout le monde a pris des chita. En tout cas, mesdames et messieurs, situation lui-même, les problèmes, et partout, à Tribord et pas bon, mesdames et messieurs, et dans un pays d'Haïti lui-même, et nous ne connaissons qui est en ballon lui-même, il a maté, et mesdames et messieurs, en tout cas, là, il y a tout noir, il y a des équipes qui voulaient le faire, après des bonnes temps, mais c'est une initiative fédération qui est l'idée d'adouer. Là, j'ai une équipe première division pour l'organiser tout noir. Hein? C'est une initiative fédération haïtienne de football. Quel état doué, mais est-ce que nous avons un dirigeant qui campe vrai? Pas moi qui campe, qui parle, et tout le monde en soudine, tout le monde attend au petit départ pour fouer tête, pour battre, pour tête par eux. Donc là, c'est comme ça, ça y est en Haïti.
et yo ouais yo bah ouais et puis donc il y a plein de moments pour être là yo paraît yo bah tout quoi yo hein qu'on y a là y a veille en soudine hein et puis donc ça les mêmes là puis entrer dans tout mesdames et messieurs. Tête li pou le ka koul n'ap kon gagé nan n'importe poule pa besoin kay tia pou bay bon boule depuis Haïti écrit sou papyo pa jam baissé tête tout sou papyo fèm sa c'est force là sou papyo eviti sou fier de drapeau mais dire les femmes de voix nous mêler depuis c'est Haïti qui la met connait l'autre mêler mais faut pour les mains au fil équipe mêler eviti yo doué les gars qui fait ta pou mêler olé olé olá pote olé olá pa bien men pote drapeau pote gâteau pote gola mesdames et messieurs massive et sport réel et n'a pas nous capable partager vidéo nous capable inviter des amis des fanatiques capable suivre émission c'est là puis c'est émission pas non émission que nous après s'appellera lui même qui c'est sport réel et pas oublier pour contact nous pas boy ici ou capable noter téléphone là casse ou table relé 954 903 0922 et puis donc ou capable relé nous sur WhatsApp dans 1 954 1-954-822-67-51. Nous voilà avec information à l'échelle internationale, mesdames et messieurs. La première direction de l'Espagne, pour nous avoir notamment Xavi Hernandez, c'est lui-même qui va gagner et diriger l'équipe FC Barcelona. Côté Xavi lui-même qui était du côté de Qatar, qui a entraîné l'équipe Al-Sadlan. Et Xavi lui-même qui va gagner là. Pour diriger l'équipe FC Barcelona. Nous avons une équipe Al-Sadla même qui était annoncée de par Xavi pour Barcelone. Et Xavi lui-même, c'est lui-même qui va nouvel entraîneur équipe FC Barcelona. Là, et sur les réseaux sociaux même et club Al-Sadla lui-même, c'est donc annoncé de par Espagnola lui-même pour la Catalogne, mesdames et messieurs. Il était un peu parlé qui t'a fait pour libération, monsieur. Et t'es qu'on sort de clause libératoire, mais pas bien, pas bien aucune clause. Oui. Et vraiment là, il y a une légende qui a prétendu en dans équipe FC Barcelona. Ils avaient les mêmes qui parlent faire grand retour là, dans le canon, les mêmes. Mais c'est pas joueur, c'est comme entraîneur, mesdames et messieurs. Et nous connaissons qu'il y a une équipe FC Barcelone qui en difficulté depuis deux saisons, les mêmes. Et côté club là, les mêmes, vraiment là. Qui était séparé avec Ronald Koeman puisque depuis Laporta lui-même le président ou Laporta lui-même le président et qui ça lui-même il y a une pile négociation lui-même qui t'a fait avec Al-Sadd afin que il était capable de gagner ça veut lui-même pour être capable de venir remplacer Ronald Koeman mais ça lui-même il avait fait puisque le club Qatarien lui-même t'a annoncé que départ espagnol lui-même pour l'équipe FC Barcelone là et côté Xavi lui-même il était fait connaître et Desilé faut qu'il retourne dans l'équipe FC Barcelone là puisque moment ça lui-même c'est un moment qui très difficile club là lui-même il a traversé là et Xavi lui-même avec l'esprit vraiment là fainé hein et Michel lui-même vraiment là il fait connaître que l'équipe FC Barcelone là il y a un pile problème. C'est un moment qui est très triste. Son crise, l'équipe là même l'a traversé là. Et c'est ça que Xavi lui-même l'a fait connaître. Et c'est côté Xavi lui-même te dit ça. Et effectivement, côté club là lui-même, lui relâché Xavi. Xavi lui-même qui parle là pour entraîner l'équipe FC Barcelona. Mais
Zavi là, pral gagner en pile bagaille oui là. Zavi pral gagner en pile bagaille pour faire et si tout c'est pas seulement et c'est pas seulement notamment et vini et, mais a pral gagner là tout l'autre faut gagner jouer tout. Faut gagner jouer. C'est là n'a regardé équipe FC Barcelone lui-même. C'est pas seulement problème entraîneur qui a été gagné et il y a plus de monde qui a posé question est-ce que Zavi lui-même a gagné assez d'expérience pour la diriger l'équipe ça. Zavi lui-même qui fait 10 ans et comme entraîneur dans le club Al-Sadlan. Et Zavi qui était connu pour le club blanc et puis donc qui est venu entraîner l'équipe blanc. Et Zavi lui-même, et c'est au milieu de terrain, nous songez, et à l'aide de Zavi, Andrés Iniesta et Sergio Busquets, Oscar, Carlos Puyol, et Messi, là, Lionel Messi, Messi, côté de notre guinée. L'équipe, c'est Barcelone lui-même qui t'a dominé le football là lui-même. Et c'est ça fait qu'il y a un petit, et Pep Guardiola les mêmes points avec l'équipe ça. Et écoutez, le game mi-temps est bon, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de problèmes. Et messieurs, ils disent qu'on soit des pressés. Tu passes coup très rapide, avec vitesse. Mesdames et messieurs, et messieurs, vraiment, le point Iniesta Xavi. Et messieurs, qui était donc moteur équipe à Barcelone là. Et Barayoté est très facile pour Lionel Messi. C'est tout travail là. Xavi, ensemble avec Iniesta, ils ont fait là. L'Ojouen. Et vous avez joué avec Neymar, messieurs là, et messieurs qui t'a dominé le championnat d'Espagne là, et vous êtes capable de jouer tout, même là, tu as une Coupe du Monde là, tout, vous avez joué une équipe Espagne même qui t'a dominé, mesdames et messieurs, et une équipe Espagne qui t'a dominé, qui t'est arrivé sacré champion, mesdames et messieurs, vraiment, et Xavi Iniesta, messieurs, c'est bien fait, mesdames et messieurs. Maintenant, Xavi pour aller comme entraîneur en équipe c'est Barcelone. Bon, et Ronald Koeman lui-même pour en faire de 12 millions d'euros là. Comme on dit là, dans question pour bay mosso l'argent, c'est tout l'argent pour caler blanche. Et puis c'est noté révoqué et Koeman lui-même lui dit pas besoin qu'on est là, c'est tout l'argent pour caler. Et nous connaissons l'équipe de Barcelone lui-même, il y a un problème d'argent. Et on l'a porté, il fait qu'on est qu'il y a comme l'argent des tranches. Comment on dit, il y a un bagaille comme ça, et pas un bagaille comme ça, Makin dit Zélian. Il dit qu'il y a une question de l'argent des tranches. Quel est l'argent blanche? Et quel est l'argent blanche? Et bon, et Barcelone lui-même, il faut qu'il dégage les là pour payer comment? Comment il qui a déjà acheté appartement dans le pays de l'Espagne, tout ça. Et monsieur lui-même, après, il est dans le pays de l'Espagne. Et il n'a pas besoin de sur l'argent, c'est tout l'argent. Puis il a calé rouge. Calé l'argent blanche là. Tous les cas, nous parlons de temps pour nous connaître. Et qui ça, Xavi lui-même, prend le poté pour l'équipe FC Barcelone. Puis c'est une équipe, c'est Barcelone lui-même, qui a un peu de difficulté et c'est tout. Hier, équipe ça lui-même, arrivé fin match. Là, lui-même, vraiment pas bon du tout pour équipe FC. Et Barcelone, non. Makindi et Célian, nous saluons, il a bon départ. Nous saluons, qui a suivi nous depuis Mexique. Nous saluons. Et nous avons continué à partager la vidéo. Hein. Et nous sommes capables là, la situation lui-même, est vraiment compliquée pour équipe FC Barcelone là et surtout Barcelone lui-même t'a pas gagné là l'autre et l'autre sponsor mais après de pas Lionel Messi lui-même et sponsor vraiment ils ont changé d'avis mesdames et messieurs ils changé d'avis puisque c'est à l'aide de Messi vraiment là ils t'a pas notamment je ne suis pas sponsor ça, mais de par Messi pour l'équipe qui est Paris Saint-Germain en lui-même, sponsor Viredo, et nous capables là, et sponsor ça là, qui tape vraiment aider l'équipe FC Barcelone. Là. Et si tout, nous connaissons l'équipe FC Barcelone lui-même, qui vraiment l'argent d'Abdinan là, qui refusait, malgré que ils ont besoin de l'argent, ils ont en dette. Barcelone lui-même qui refusait 70 millions d'euros. Barcelone lui-même qui refusait des offres de sponsors de maillot.
pour saison 2022-2023. Il y a qui t'a proposé une affaire de 70 millions d'euros et côté qui t'a paraître sous devant Mario Barcelona lui-même et t'as gagné là et non sponsor ça lui-même qui c'est Indian Online Education Platform. Mais côté nous t'ai gagné là et gagnou non sponsor ça là vraiment là qui était vraiment close pour être capable rejoindre l'équipe FC Barcelone mais à cause de contrat Messi qui était breakdown là lui-même et côté Messi lui-même il exit et sponsor ça lui-même mesdames et messieurs il retire col en tous les cas et nous apprêtons pour nous temps pour si vous connaissez comment ça va aller et nous connaissons que l'équipe FC Barcelone lui-même qui gagne Rakuten lui-même c'est sponsor et qui est non maillot équipe FC Barcelone écoutez vraiment la pagode et Chris nous pas le temps pour nous connaître vraiment comment lui-même ça va aller mesdames et messieurs pas oublier suivre émission pour voir lui-même qui c'est sport réel et côté n'a pas toutes dernières informations là et en gros et en détail mesdames et messieurs. Et nous parler rapidement avec ça concerne la Ligue des Champions. Ligue des Champions lui-même est arrivé jouer 4e journée et premier deuxième match là est arrivé jouer et si tout nous déjà gagné équipe Juventus et Bayern Munich équipe ça qui déjà qualifié notamment pour les 8e de finale. Équipe Bayern Munich et Juventus, équipe Sao, qui qualifie pour les 8e de finale. Et une équipe Bayern Munich, lui-même, avec un certain de Robert Lewandowski. Et c'est lui-même, vraiment, qui démarque un triplé. Mesdames et messieurs, un hat-trick, un coup de chapeau. Et donc, dans le temps, c'est maintenant là. Et l'équipe Liverpool, lui-même, qui est déjà arrivé jeune, qualification. Là. Et donc, tu es capable là, tu es gagné en pile. Start, c'était une journée qui était énorme, mesdames et messieurs. 4e journée, ça, en termes d'exploits collectifs et individuels. Et si tout le monde a gagné, Cristiano Ronaldo lui-même, qui était donc sauvé équipe Manchester United. Là, et Cristiano lui-même, c'est joueur qui marquait plus de goals, mesdames et messieurs, dans la Ligue des Champions. Et qui, pour apparition dans la Ligue des Champions, là, et Cristiano Ronaldo, qui a déjà marqué 139 goals. Non, ça y concerne Ligue des Champions. Et Ligue des Champions lui-même, c'est pour CR7 là lui-même, lié, mesdames et messieurs. Mais c'est lui-même qui a bien fait pour l'équipe Manchester United. Là, une équipe Manchester United lui-même qui était vraiment en difficulté, mais en fin de match lui-même. Et Cristiano Ronaldo lui-même qui a aidé l'équipe Manchester lui-même, qui a sauvé. Maintenant, ça, mesdames et messieurs, nous pourrons aller avec Revitaio et puis. On va voir classement, tout ça. Et il était deux journées là pour phase de poule là. Terminée, mesdames et messieurs. On allait avec Résita qui était effectué, mesdames et messieurs. Et nous avons là l'équipe Rosbourg, les mêmes, qui était donc bat équipe Salzbourg de l'Autriche. Là, on a fait de 2-1. Nous avons gagné Chelsea. Fait tomber équipe Malmois, un goal à 0. Et équipe FC Barcelone avec Ansu Fati. Le débat d'équipe d'Amon Kevlan, lui-même, yon goal à 0. En ce fati là, il frappe, oui, là, dans le week-end, là, problème pas fini pour Barcelone. Philippe Coutinho pas voulu entrer. Problème, yon en pile, mesdames et messieurs. Bayern Munich, yon même, qui était humilié, équipe Benfica, on a fait de 5 goals à 2, notamment le gain Villarreal, Young Boys de la Suisse, 2-0, Atalanta, Manchester United, compte qui était arrivé terminé 2 goals partout c'est tout doublé de CR7 là mesdames et messieurs et puis donc nous avons gagné Séville est tombé devant équipe Lille 2-1 il y a rien pour équipe Lille en déplacement arrivé fait victoire ça et puis nous avons gagné Juventus même qui était point avantage devant équipe Shakhtar Donetsk les mêmes ont fait de 4-2 et c'est tout Paulo Dybala argentin les mêmes qui était marqué un doublé pour équipe qui relève Juventus de Turin.
Et puis dans le deuxième match, nous avons gagné l'équipe Milan AC en Porto, un goal partout. Real Madrid, même fait tomber l'équipe Shakhtar Donetsk, deux goals à un. Manchester City, Club Brugge, c'est 4 goals à 1. Nous avons gagné Leipzig, Paris Saint-Germain, deux goals partout. Il y a Paris Saint-Germain lui-même qui t'a pas dominé avant-posant, mais nous sommes capables là dans le deuxième. Période là, les mêmes mesdames et messieurs, nous avons gagné une équipe Leipzig lui-même qui est arrivé fait match ni ça. Mon équipe Paris Saint-Germain lui-même, problème défense lui-même, sont tellement chargés qu'il est là et dans latéral là lui-même et nous capables là équipe Paris lui-même qui est donc arrivé fait match pour monsieur Pochettino, mesdames et messieurs. Et puis nous avons gagné équipe qui est Liverpool bat équipe Atlético Madrid 2 goals à 0 côté Atlético Madrid même il bat équipe Liverpool un ticket à les retours équipe Atlético Madrid lui même tombé côté Liverpool bat Atlético Madrid ticket à les retours d'abord game Sporting Betis 4 goals à 0 équipe Ajax Dortmund 3 goals à 1 un brésilien là qui est Anthony Michel lui même qui déjà à 5 passes décisives, mesdames et messieurs. Le président lui-même qui a bien fait. Il y a un pire club européen là qui est intéressé, qui est déjà intéressé à jeune joueur brésilien, ça, mesdames et messieurs. Fait un an, il a. Et monsieur qui on fire en dans équipe Ajax, mesdames et messieurs. Et t'as pas le point avant d'aller devant équipe Sheriff. Et on a fait de 3 goals à 1 pour équipe Inter. C'est ça. Et n'a pas pour saluer Marie-André Banor depuis Paris lui-même qui belle et bien connectée avec nous là. Marie-André Banor, bonsoir et bonne écoute. Madame Marie-André Banor qui nous écoute depuis la France du côté de Paris. Bonsoir Marie-André Banor. Et en forme, Jodiran, nous connaissons là et là. Nous te saluons déjà, Jodiran. Jodiran, nous saluons, mon ami. Oui, nous capables là et yon quatrième journée de la Ligue des Champions. Déjà, il y a deux équipes qui déjà une qualification là, qui fait équipe Bayern Munich, ensemble avec Juventus de Turin, et qui sont là, qui déjà qualifié pour les huitièmes de finale. On a le notamment classement, et on a le classement A et B1 pour nous voir comment classement ça lui-même lié. Et surtout, nous gagnons là dans le groupe A lui-même, équipe et Citizen, Manchester City eux-mêmes. Équipe ça lui-même qui en tête. Et équipe Manchester City lui-même qui en tête avec un total de 9 points. Et Manchester City lui-même qui fait 3 victoires puis une défaite. Nous sommes équipe Paris lui-même. T'es battu. Et Paris t'es battu. Nous sommes et Messi et tout ça Mbappé. Mais ça, voilà, qui est donc arrivé marqué devant équipe Manchester City. Hein. Équipe Manchester City lui-même qui en tête, lui-même qui notamment gagne 9 points dans la compétition là. Et en deuxième, c'est équipe Paris Saint-Germain. Hein. Paris Saint-Germain a 8 points, c'est tout le Paris là pour collecter Matin ça là et Matin là lui-même pas bon pour Paris puisque Paris lui-même qui fait 2 victoires, 2 matchs et équipe ça a 8 points mesdames et messieurs. Et en troisième position, c'est l'équipe FC Bruges lui-même, FC Bruges qui sorti dans le pays Belgique. Et après 4 journées, équipe ça lui-même qui a 4 points, ils font victoire, ils font match et puis donc 2 défaites pour l'équipe FC Bruges. Et Leipzig lui-même qui bon dernier mesdames et messieurs, équipe Leipzig bon dernier en 4e position là avec notamment ils ont un petit point mesdames et messieurs, ils ont grand point pour l'équipe Leipzig. Leipzig lui-même, Bagala lui-même, pas bon pour Leipzig. Et au capable là, non, prochaine journée là, et si tu regardes deux journées là, Paris Saint-Germain, ensemble avec Manchester City et qui ça là, capable d'arriver qualifié pour les huitièmes de finale, et équipe FC Bougeland, lui-même capable d'aller pour Europa League. Et puis dans le groupe B1, groupe B1 lui-même, équipe Liverpool qui gagne. Équipe Liverpool qui gagne 12 points, nous gagnons équipe Porto notamment à 12 points.
Et Atlético Madrid, lui-même qui est en troisième position, Atlético Madrid lui-même qui est en troisième position avec 4 points. Comme voilà, pour Liverpool, Liverpool est censé qualifier là, mesdames et messieurs. Puisque Liverpool a 12 points, même si que Porto lui-même t'a fait 2 victoires et a mis là en 6 points, 11 points. Liverpool déjà qualifié, mesdames et messieurs. Liverpool déjà qualifié pour les 8e de finale. Bon, équipe Milan lui-même, équipe Milan a un grand point, mesdames et messieurs, pour Milan, bagaille là lui-même. Pas bon pour Milan, mais mesdames et messieurs, bagaille là pas bon pour Milan, un grand point. Et Abdel Ogissin, équipe Milan c'est lui-même, font bagaille pour lui. Équipe Milan qui font seul match, mesdames et messieurs, bagaille là lui-même pas bon pour Milan du tout. Mais nous capables là équipe Liverpool là qui va gagner là et qui déjà Liverpool lui-même qui pas un problème qui déjà qualifié mesdames et messieurs Liverpool déjà qualifié et on gagne Liverpool mais Bayern Munich Juventus ça fait un total de 3 équipes ce soir qui déjà ont une qualification là pour les 8e de finale. Et puis, nous continuons avec le classement Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Classement Ligue des Champions, nous sommes au classement groupe AB1. Et maintenant, nous allons aller là dans le groupe CD1, mesdames et messieurs. Dans le groupe CD1, nous avons l'équipe Ajax. L'équipe Ajax en lui-même, mais qui déjà a 12 points là. Et Ajax qui a 12 points. Nous parlons de temps pour nous connaître qui ça qui parle tout. Puisque Ajax qui a déjà gagné 12 points, mais pas oublié, et Dortmund en deuxième avec aussi 6 points, et Sporting 6 points. C'était deux journées, ça met l'équipe, on a fait à 12 points. Si tous les deux, si Dortmund t'a gagné, et ou bien Sporting t'a gagné, on a mis à 12 points. On a là, on a prêté pour nous tendre, et en termes de différence de bio là, tout ça allait en ligne de compte. Et dans groupe C1, et on regarde là dans l'autre format ça, groupe C1, groupe C, équipe Ajax Amsterdam, qui a 12 points. Et Dortmund, qui gagne à 6 points, West Sporting a 6 points. Pour Dortmund ou bien Sporting t'a passé devant Ajax, il faut que Ajax lui t'a perdu tous les deux matchs liés. Et puis, et puis donc, faut que nous t'aiguillons, là, et Ajax a pris pile goal. Le Nabgade, Ajax c'est même qui marque 14 goals, il prend 2. Différence c'est même, c'est plus 12. Ajax c'est même, Ajax c'est même, c'est une équipe vraiment là, qui va gagner là pour aller pour la 8e de finale. Le Nabgade, équipe d'autres maintenant à moins 4. Si on marque 4 goals, il prend 8. Défense c'est moins 4. Sporting Lisbonne à 6 points. Il a marqué 9 goals, il a pris 7 goals. Défense c'est plus 2. Après voilà, équipe Ajax sans problème. Qui va gagner pour jouer les 8e de finale. Et c'est comme ça, et groupe A, groupe C a les mêmes liés. Et puis donc, si nous regardons dans le groupe, D1, groupe D1, équipe Real Madrid qui est en tête. Et après défaite équipe Real Madrid là et avec Sheriff Real lui même fait 3 victoires une collée avec l'autre. Real fait 3 victoires une collée avec l'autre et c'est ça Dieu t'échale la fraîcheur depuis Orlando Dieu t'échale la fraîcheur depuis Orlando Didier t'échale la fraîcheur a fait par nous salut Didier t'échale La Fraîcheur a fait panneau et c'est une supporter, c'est le Nord TV. Nous saluons Didier Tichal La Fraîcheur. Nous sommes que nous pas blé ça, nous là, nous devons devant une génératrice en Haïti. Hein? Et Didier Tichal dit Boutis, on va briser l'argent. Bon, Delcroix. Bon, Delcroix. Et c'est les annuels Delcroix balle en Haïti. C'est ça que nous battons en good. Et c'est ça qui fait que nous grand Didier Tichal La Fraîcheur. Nous battons tout le monde. Nous débaillons crédit. Nous ne vendons crédit. Nous ne crédit. C'est crédit pour qu'il y ait, nous ne pouvons pas pour nous. Je dis à la fraîcheur, nous saluons, mon ami. Nous avons des amis, continuez
et partager vidéo. Oui, Dieu t'a la fraîcheur, c'est ça qu'il y a. Et Dieu t'a la fraîcheur dit que à British. Bon Delcroix, bon génératrice là. Évidemment, Mbappé on good. Bon bagage Dieu t'a la fraîcheur et qui toujours fait championnat mon jeu là. Dieu t'a la fraîcheur, m'pas connait championnat comment la pied non la Tichal. Et j'en paye à y'a là, est-ce que tu as un championnat Tichal? Tichal, depuis ce terrain là, Tichal, quand tu es comme là, il y a toute l'équipe. On dit Tichal la fraîche. Bon, oui, nous dans la Ligue des Champions, mesdames et messieurs, nous n'oublions pas de nous, non là, attention. Équipe Real Madrid là, les mêmes qui dans le groupe de A, les mêmes, après, de fait, dans la première journée, pour l'équipe Real Madrid là, et depuis lors, et l'équipe Real là, pas dit encore. Et messieurs, a continué Batman. Real lui-même qui en tête, qui prend tel classement groupe de ça. Real qui gagne 9 points. Et dans 4 matchs qu'il a joué, il fait 3 victoires. Il perd une, il était marqué, il marque 9 goals. Il prend 3 goals. Défense même, c'est plus 6. Et puis en deuxième, c'est l'équipe Inter qui a avec notamment 7 points. Inter lui-même qui fait 2 victoires. Yon en deux fêtes et yon matin et yon marqué 6 goals, yon prend 3 et défense c'est plus 3 pour équipe Inter de Milan. Équipe Sheriff là, les mêmes qui était vraiment close, hein? Et pour être capable de jouer en sorte de qualification là, mais donc, équipe Sheriff Tiraspol là, les mêmes, équipe ça, les mêmes, et absolute là pour la jouer Europa League. Absolute là pour la jouer Europa League, ça va dépendre de tout. Qui ça, équipe Shakhtar Donetsk lui-même, il va gagner pour faire, mesdames et messieurs, nous sommes au classement groupe A, B, C, D, hein? Et maintenant là, nous allons aller dans le groupe E, F, G, H, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans le classement Ligue des Champions. Hein? C'est 40 000 gouttes quelle idée, Tichal. 40 000 gouttes, c'est pas 40 000 dollars, non, Tichal. 40 000 gouttes, comment? Vado, précisez ça bien, il a dit, Tichal la fraîche. C'est 40 000 gouttes, quelle idée? 40 000 gouttes. Bon, dit Tichal la fraîche, souterrain, il a. Et puis donc, c'est qui idée à droite à gauche? Dit Tichal la pointe de l'argent. Il va y entendre après, il va y échec. Il va y échec, il va provision. Il va y avoir comme ça. Souterrain là, dans mon rouge là. Dit Tichal la pointe de l'argent là, il va y équipe là. Bravo, Dieu Tichal la fraîche. Voilà. Mesdames et messieurs, notre groupe, toujours dans ce qui concerne le classement Ligue des Champions. Nous avons qui est dans le groupe E1 lui-même. Groupe E1, équipe Bayern qui est qualifié, qui a 12 points. Et Bayern lui-même qui a 12 points. Équipe FC Barcelone, après la victoire, ça qui est fait là, qui permet de relancer la bataille là. Et dans le groupe. Et dans le groupe notamment Ayan là, puisque il était battu équipe Dynamo Kievan lui-même, Citoyen Soufati, qui est donc arrivé à marquer l'unique but pour l'équipe FC Barcelona. Et Bayern Munich qui fait 4 sorties, 4 belles victoires. Yo même qui qualifié pour les 8e, il marque 17 goals, yo prend 2. Défense même, c'est plus 15 pour l'équipe Bayern Munich lui-même qui est dans le groupe Ayan. Et puis donc Barcelone. Qui est retrouvé en deuxième position avec Cyprien. Et dans 4 matchs, Barcelone joué, il a fait 2 victoires, il a perdu 2, il a marqué 2 goals, et il a pris 6, défensivement, c'est plus 4. Et dans 3e position, les mêmes, nous avons Benfica qui est en 3e avec 4 points. Et 4 points et équipe Dynamo les mêmes qui bon dernier avec un petit point. Et puis donc dans groupe F, Manchester United en tête avec 7 points. Équipe Manchester les mêmes avec 7 points qui en première position. Nous avons équipe Villarreal les mêmes qui est trouvé en deuxième position avec 7 points. Au Capabuela, groupe Saint-Tijan et on dit Jean est chargé là en termes de Paris tellement d'espace et qui bat Atalanta lui-même saison dernière qui était fait pile fort dans la Ligue des Champions là, mais nous et que Anessa lui-même c'est pas même atmosphère pour équipe Atalanta Bergamo
qui Manchester en tête 7 points, Villarreal 7 points, Atalanta lui-même qui gagne 55 points. Amina quelque chose 5 points et qui se retrouve en 3e, en 4e, c'est une bonne équipe Young Boys de la Suisse-là avec 3 points, Napoli Salé, Marie Chantal, Laurier d'Assis, c'est ingénieur et Conrad d'Assis, c'est Matin d'Ivoire depuis la Suisse même qui belle et bien connectée avec nous. Oui, et là, on a regardé là, équipe Benfica qui est en troisième avec 4, et puis donc, Dynamo lui-même, qui retrouve en quatrième position. Et groupe F-là lui-même, quand on dit groupe F-là lui-même, c'est équipe Manchester, et équipe Manchester lui-même, Villarreal, Atlanta lui-même, qui n'a pas là pour qualifier, pour ça concerner les huitièmes de finale, puisque il restait deux journées pour match de Pouliot. Et à partir de mois de décembre qui a venu là, pour gagner un tirage au sort pour Ligue des Champions, pour les huitièmes de finale dans la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, si nous courons vite pour aller dans le groupe géant, groupe géant, même c'est Salzbourg, groupe, est-ce que nous capable de dire son groupe Payaya? Groupe GSA, même équipe Salzbourg là, qui est en tête avec 7 points, Lille en deuxième 5, Wolfsburg. C'est un point Villarreal lui-même qui gagne 3 points. Villarreal qui est dernier là. Villarreal lui-même qui gagne 3 points dans le groupe GSA. Et puis si nous allons dans le groupe H-là, groupe H-là lui-même, groupe H-là, c'est l'équipe Juventus lui-même qui est en tête, qui est qualifié pour les 8e avec 12 points. Chelsea avec 9 qui est en deuxième. Chelsea qui est champion en titre, Zenit qui est en troisième avec 3 points, il y a l'équipe Malmö même qui est en troisième position et Malmö qui est en quatrième position, mesdames et messieurs, qui est bon dernier là, dans Goussa, avec 0 points, ça c'est ancienne équipe Zlatan Ibrahimovic, mesdames et messieurs. Bon, et l'engard de Ligue des Champions là, il y a un pile goal lui là. Qui marque là, équipe Real Madrid là, les mêmes, équipe ça, les mêmes, c'est les mêmes qui domine la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Real domine la Ligue des Champions, ça, puisque Real les mêmes qui marque, si nous rappelons que, nous avons rappelé que l'équipe Real là, les mêmes qui gagne la 13 titres Ligue des Champions, c'est pas un mess à faire, et puis l'un de Real tout, qui les mêmes, Real, les mêmes qui marquaient, on a fait de 1001 goals, mesdames et messieurs, pour l'équipe Real Madrid. Là. Real qui dominait et débat ça, mesdames et messieurs, en termes de but dans la Ligue des Champions. 1001 goals pour l'équipe Real Madrid. Et puis, en deuxième, c'est l'équipe Bayern Munich. Bayern Munich qui a même marqué 768 goals. Ou gagnant l'équipe FC Barcelone, là, les mêmes, équipe FC Barcelone. Yo-même qui en troisième position, Barcelone marqué 655 goals pour Barcelone. 655 goals pour Barcelone. Et équipe qui en quatrième position, lui-même qui marqué plus de goals dans la Ligue des Champions, lui-même, c'est Manchester United. Manchester United, lui-même, qui marqué 529 goals, mesdames et messieurs, dans la Ligue des Champions. Donc, là, c'est pas un miss à faire. Ça y est, équipe Real, là, lui-même qui dominait. Et Ligue des Champions, mesdames et messieurs, en termes de goal et titre, Real lui-même, qui peut dormir, mesdames et messieurs. Real qui peut dormir, et pour une équipe qui a passé devant Real là, et pour Bayern qui a passé devant Real là, bas comme non là. Et quantité de goal, l'équipe Real gagne là, mesdames et messieurs, pour Bayern Munich, c'est deuxième équipe, mesdames et messieurs, qui. Qui marque plus de goal après Real. Pour Bayern, là, t'as devancé Real, là. Faut des équipes Real, là, les mêmes. T'as campé bas, Ligue des Champions. Et avec équipe Florentino Pérez, les mêmes. On va même baiser mettre ça dans l'ido. On va même baiser mettre ça dans l'ido, mesdames et messieurs. On va même baiser mettre ça dans l'ido. Puisque équipe qui est les. Real Madrid là les mêmes équipe ça les mêmes qui a dominé et débat ça mesdames et messieurs 1001 goals ça pas un jouet et pour Bayern lui même t'a arrivé passer devant
pour t'arriver à marquer plus de goals par rapport à l'équipe Real dans lui-même. Faut des Real pour t'arriver à la Ligue des Champions. Faut des Real, t'as dit que Mbappé joue à la Ligue des Champions. Mille un goal, mesdames et messieurs, par un joueur. Real lui-même, vraiment, qui a dominé. Ça a concerné la Ligue des Champions. En termes de goal, et puis donc c'est eux-mêmes qui gagnent record ça. Et 13 titres, Ligue des Champions. Pour l'équipe qui arrive à passer devant Real là. Elle va en jouer. Finale, notamment en termes de stats et pour Ligue des Champions, ça. Déjà gagné 64 matchs qui déjà joué pour Ligue des Champions. Déjà gagné 64 matchs qui déjà joué sous 96. Il y a 200 goals qui déjà marqué et 200 goals qui déjà marqué pour la Ligue des Champions ce soir. Dans 64 matchs qui jouent, il y a 200 goals qui déjà marqué pour saison ça, mesdames et messieurs. Presque 3 goals par match. Il songe que dans le jeu avec ce duel-là, il y a 27 goals qui sont donc arrivés marqués dans le premier match, mesdames et messieurs. Nous sommes capables là un pile goal marqué. Un pile goal marqué et dans la Ligue des Champions. Et là, nous allons là, équipe qui marque plus de goal. C'est l'équipe Bayern Munich. Bayern Munich marque 17 goals. Et n'a pas au stade Ligue des Champions. Et là. Et n'a pas au stade là. Et là, nous essayons là. Et pour nous faire un jeu là. Pour nous capables de mettre une ambiance là. Équipe. Et qui baille dans lui-même et qui s'assure qui marque plus de goals, mesdames et messieurs, ce soir dans la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Bayern, on regarde là, ok. Et c'est Moussa là, Pablo là, nous sommes plusieurs chapeaux, mesdames et messieurs. N'abandonnez pas, nous sommes capables de partager la vidéo. Voilà. Et qui baille dans lui-même et qui marque 17 goals, ce soir dans la Ligue des Champions. Nous avons Manchester City qui est en deuxième position qui marque 15 goals. Ajax marque 14. Liverpool 13. Villarreal, eux-mêmes qui marque 9 goals. Nous avons équipe Sporting Portugal qui marque 9 goals en termes de possession. Et possession du ballon lui-même. Nous avons équipe Chelsea lui-même. 36 Vigil 8, mesdames et messieurs, qui en première position. En deuxième, c'est équipe Liverpool 1, 62,3. Équipe Ajax, 58,8. Qui est en troisième. En quatrième position, c'est Manchester City, Real Madrid. Et nous avons équipe Bayern. Et précision de passion là, et c'est équipe Shakhtar Donetsk lui-même. Qui précision de passion en termes de direction. Et que et joueur lui-même lui fait passer là en termes précision passer là parce qu'il allait direct équipe chaque t'a donné excellent lui-même mesdames et messieurs 4,10,3 mesdames et messieurs équipe qui en deuxième c'est Chelsea Bayern Munich Manchester City en cinquième c'est Real Madrid et nous avons équipe c'est Barcelone qui en sixième position en termes de tir et équipe qui fait plus chute mesdames et messieurs et au capable là et Bayern qui a 17 goals so far dans compétition là c'est pas un jeu de ça y est puisque Bayern lui-même qui prend 85 shoots en deuxième c'est l'équipe était à 79 Manchester City en troisième 78 Real qui en quatrième position 78 en cinquième c'est l'équipe Liverpool qui prend notamment on va faire de 72 goals 72 shoots pour équipe Liverpool, là, équipe Ajax, qui prend 70 en shoot, mesdames et messieurs. Donc, on va là, et pour tirer là, équipe, pour tirer là, et nous on va là, et équipe Bayern lui-même, qui domine débat en termes de duel, là, qui gagne duel, là, et c'est équipe Betis qui en 71 duels, nous gagne Sheriff de Moldavie, 64, Sporting Portugal, et Porto, les Vigas, Paris Saint-Germain, qui gagnent, on a fait de 56 duels, qui en sixième position, mesdames et messieurs. Ballon, qui récupère là, c'est équipe, qui est les Atalanta, ils ont récupéré, on a fait de 192 ballons, mesdames et messieurs. Et Betis, qui est en deuxième, 188.
Ça, c'est une l'autrice. 188 ballons qu'ils ont récupéré, Dortmund, qui est en quatrième avec 182 ballons, ils ont récupéré. Young Boys de la Suisse, 181. Lille de la France, 180 ballons qu'ils ont récupéré. Équipe qui fait notamment plus arrêt, mesdames et messieurs, Lirele notamment, équipe Sheriff de Moldavie, là, il fait 26 arrêts, mesdames et messieurs, 26 arrêts là, et en deuxième, c'est Malmo, 24, comme après là, équipe ça aussi, même, qui pas tellement bien classé là, c'est tout Sheriff, c'était commencé très bien, il y a en troisième, mais en termes d'arrêts, et pression sur eux là, faut qu'il fait arrêt là, puis il n'y a pas de goal, tout ça. Et équipe qui en troisième, c'est Betisias 18. En quatrième, c'est Paris Saint-Germain. Capable là, et Paris, les mêmes défenses Paris là. Faut qu'il arrange les là. Il y a des problèmes de défense. Faut qu'il nous dise ça. Voilà. En cinquième, c'est Benfica et Sporting, tout ça. Et mesdames et messieurs. Bon. Capable là, et Ligue des Champions, les mêmes. Et Statio, qui est tout à fait intéressant. Et monde qui met habité en lui-même. Et mon qui m'est habité en lui-même, c'est Robert Lewandowski. Robert Lewandowski lui-même, c'est lui-même qui, donc, meilleur buteur so far pour Ligue des Champions. Puis c'est Robert Lewandowski à 8 réalisations. Robert Lewandowski à 8 réalisations. Il y a Haller qui a vu dans Ajax 7 goals. Mohamed Salah, Liverpool 5. Nous avons Ronaldo, Manchester United avec 5 goals. Et ce soir, il y a Sadio Mané qui est en sixième, et nous avons Nkunku, Leipzig qui gagne 5 goals. Et moun qui gagne plus passe, mesdames et messieurs, dans la compétition, les mêmes passe Sivio, passe goal, yo, là, c'est Anthony, son Brésilien qui est misé là. En pile équipe là, intéressé à jouer ça, les mêmes. Misé les mêmes, qui, notamment, fait 5 passes, mesdames et messieurs, 5 au fond. Nous avons Bruno Fernandes. Pour dire que j'ai Manchester United qui fait 5 passes. Il y a Sadio Mané. Ah, mais en Leroy Sané qui a joué dans Bayern Munich qui fait 4 passes. Il y a Vinicius Junior, 3. Et Cristiano qui a joué dans Sheriff, 3. Et puis donc, il y a Mbappé qui a délivré 3 passes. Mesdames et messieurs, nous voyons que c'est que des services, Messi. Sans problème, mesdames et messieurs. En tous les cas, là, nous sommes au stade. Pour Ligue des Champions, ce soir, mais nous sommes capables de jeune homme qui est Cristiano Ronaldo lui-même. Et Cristiano Ronaldo lui-même qui dominait débat ça, mesdames et messieurs, en termes de bitio. Et que lui marquait, mesdames et messieurs, dans la compétition, Cristiano Ronaldo, qui gagne 139 goals dans la compétition, dans Ligue des Champions au total. Et on a fait de 140 goals dans toute compétition là. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui est tout à fait intéressant, Ligue des Champions lui-même. Et Cristiano Ronaldo lui-même, il domine. Et ça, mesdames et messieurs, Ligue des Champions lui-même, c'est à cette là lui-même, sans problème. Mais et bon, et Dieu Tisha Lafouché a dit que bon, et souper n'a pris pour une balle, Tisha. Super, il faut que nous parlions. Didier Tichal, la fraîcheur, depuis Orlando, a fait pas nous, Didier Tichal, la fraîcheur. Et a fait pas nous, Didier Tichal, nous saluons là. Nous parlions là pour nous, Cristiano Ronaldo. Didier Tichal, la fraîcheur, il dit que la compétition a marqué pour faire, c'est le 28 novembre 2021 pour arriver notamment le 2 janvier 2022, équipe champion a gagné 200 000 goods. Et puis donc, l'équipe qui est deuxième là a gagné 100 000 gouttes. 200 000 gouttes pour l'équipe champion. Et puis donc, deuxième là a gagné 100 000 gouttes. C'est là, pas de problème. Dieu Tichal la fraîche, mon bagaille. Et puis c'est pas de riz, mais c'est pas de poids. Ah non, non. Bon, Dieu Tichal, pas de problème. Souper, n'a pas de problème. Dieu Tichal la fraîche. Depuis Orlando, nous t'en parlé, mesdames et messieurs, de la Ligue des Champions et surtout. Il y a Cristiano Ronaldo lui-même, qui est meilleur buteur dans l'histoire de la compétition. Ça, c'est à cet endroit lui-même qui a bien fait, mesdames et messieurs. Et Cristiano Ronaldo, monsieur lui-même, en termes de record, là, c'est monsieur lui-même qui a record Ligue des Champions, mesdames et messieurs, en termes de meilleur buteur. Et Cristiano Ronaldo qui marquait plus de goals dans la compétition lui-même, au total de 142, plus grand nombre de buts qui a marqué dans.
Ligue des Champions, les mêmes, c'est 139. Dans toute compétition là, pour les Fala, les marqué 140. Et Cristiano Ronaldo, monsieur lui-même, pour son saison, et puis donc dans phase d'animation directio, les marqué 107. Et monsieur qui dispute, on a fait de 180 matchs en Ligue des Champions, et lui-même qui gagne 5 Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, c'est ce joueur lui-même qui marqué dans 3 finales. Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Et monsieur, qui n'a pas un problème, qui toujours a marqué, qui toujours a fait. Et c'est Serge Tour qui a marqué dans 11 rencontres l'UEFA et Ligue des Champions consécutives. Sans problème, mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo, son machine goal qui est lié dans Ligue des Champions. Et c'est pas. Et nous avons là, meilleur buteur qui est tout à fait intéressant. Monsieur, il m'a quitté donc, mais. Qui est titre meilleur joueur l'UEFA 4 à 4 reprises. Et c'est à cette année même. Et c'est un joueur qui est vraiment extraordinaire. Et monsieur lui-même qui fait partie de 15 fois dans l'équipe de l'année et par international de l'UEFA. C'est à cette année même. C'est un champion qui est vraiment extraordinaire. N'a pas rappelé que Cristiano Ronaldo lui-même qui gagne 139, qui marque 139 goals. Il marqué avec l'équipe Manchester, Real, et puis donc, il marqué avec Manchester, Real, Juventus, Manchester United, il est back dans Manchester. Lionel Messi en deuxième avec 123, et il marqué Pifo Golio avec notamment l'équipe Barcelone, mais avec Paris là. Elle a marqué avec Paris, marqué 3 goals. Si le Simba, si on va faire un défaut là, avec Paris, il a marqué un doublé, plus son goal. Pourquoi il a marqué 3 pour Paris? Et il a marqué 120 avec Barcelone. Et puis, nous avons Robert Lewandowski. Robert Lewandowski là, avec 81 goals. Robert qui, avec Dortmund et Bayern Munich, polonais, quand même, il a marqué 73 goals. Il était marqué avec Lyon et avec Real Madrid. Raúl González Blanco, et qui marque 11 goals dans la Ligue des Champions. Nous avons vraiment fait un zoom de la Ligue des Champions, là, mesdames et messieurs. Et en quatrième, c'est Van Nistelrooy, néerlandais à lui-même. Il était passé dans PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, et Van Nistelrooy, c'est qui marque 56 goals, et Titi Henry, qui était passé dans Monaco, Arsenal, Barcelone. Et monsieur lui-même qui marque 50 goals. Donc, Thomas Müller, allemand qui a joué dans Bayern Munich, il marque 49 goals dans Bayern Munich. Et puis, donc, nous avons Cédric Zlatan Ibrahimovic qui marque 48 goals. Monsieur lui-même qui, Cédric, qui passe dans l'équipe Ajax, Juventus, Inter de Milan, Barcelone, Milan AC, Paris Saint-Germain, Manchester United. Et puis, nous gagnons là, il connaît en lui-même, en balan éduise, Jasimko, monsieur lui-même, qui était donc, joué avec l'équipe de Mancuive, Milan AC, Chelsea. Et puis, nous gagnons là, et Filippo Inzaghi, italien, qui marquait 46 goals. On a rappelé que Andrew Jasimko, monsieur qui marquait 48, Filippo Inzaghi, italien lui-même, qui marquait 46 goals, mesdames et messieurs. Et 46 goals, et l'engagé là, Filippo Inzaghi qui était joué notamment avec l'équipe Juventus et puis donc Milan AC. Et puis, Sindapouin, meilleur buteur pour un seul club. meilleur buteur pour un seul club, qui c'est Lionel Messi. Et Lionel Messi marqué 120 goals, mesdames et messieurs, avec l'équipe FC Barcelone, côté Argentin, a marqué 120 goals. Et Cristiano Ronaldo marqué 105 goals avec l'équipe Real Madrid. Il a marqué 105 goals avec l'équipe Real Madrid. Et nous sommes au total en termes de meilleur buteur, en termes de buteur. Mais maintenant là, nous break it down pour vous-même. Joueur qui marqué avec une seule équipe. Quantité en termes de meilleur buteur pour un joueur qui marqué avec une équipe. En première position, lui-même, c'est Lionel Messi qui marqué 120 goals avec l'équipe FC Barcelone. Cristiano Ronaldo,
marqué 105 avec Real Madrid. Nous gagnons Raúl González, Blanco, Espagnola qui marqué 26 goals avec équipe Real Madrid. Nous gagnons là Robert Lewandowski, Polonais, qui marqué 64 goals avec Bayern Munich. Karim Benzema marqué 61 goals avec équipe Real Madrid. Et Thomas Müller, allemand, qui marque 49 avec Bayern. Alessandro Del Piero, italien, qui marque 41 avec Juventus. Nous avons Kun Agüero, Sergio Agüero, argentin lui-même, qui marque 36 goals avec l'équipe Manchester City. Nous avons Didier Drogba, ivoirien lui-même, qui était donc marqué 36 goals avec l'équipe Chelsea. Titi Henry avec Arsenal, qui était marqué 35. Et puis donc, Teguien. Van Nistelrooy, néerlandais lui-même, avec Manchester United, lui-même, qui était donc arrivé marqué, on a fait de 35 goals avec l'équipe Manchester United. Là, vraiment, nous sommes fait un zoom. Donc, ça y concernait de la Ligue des Champions en termes de classement, résultat, classement, et surtout, nous sommes au statio en termes qui jouait, qui équipe, en quelque sorte, en termes de statut là, et puis donc, une sorte de breakdown, buteur, compétition, c'est là, mesdames et messieurs, vraiment, c'est un zoom qui est tout à fait intéressant pour, ça y concerne de la Ligue des Champions, Pablo Ossive et Zé Paouan lui-même, qui c'est sport réel, avec Zé Paouan, British, à l'antenne. C'est pas le suivre et émission par moi, les mêmes qui sont sport réel. Et n'a pas profité de saluer notamment Officer Woody et Jeanne. Officer Woody et Jeanne, nous saluons amis Panon qui a suivi nous. Et Officer, et nous saluons Officer Panon. Ouais. Nous saluons Officer, ouais. Nous saluons Officer. En grand monde. Officer Woody et Jeanne, nous saluons amis Panon. Mais bon. Et vraiment là, nous se faisons un zoom dans ce qui concerne la Ligue des Champions lui-même. C'est là qu'elle est ici dans le sport réel, côté information à bout de près, mesdames et messieurs. On va continuer avec information nous. Et pour les amis qui nous suivent, c'est la radio Gas FM à Atlanta et dans la New York. Et puis donc, nous disons Radio Contact FM. On va pour nous la ronde de stade. Nous parlons pour nous venir avec différents championnats européens. Et surtout, nous parlons là tout pour nous de la NBA, nous parlons pour nous un peu de la NFL. Hein? Et nous parlons pour nous un peu de la NFL sans problème. Bon, nous avons information tout, information surtout, nous avons et jeune joueur ça là, et un jeune brésilien, monsieur Lé, et Anthony, côté nous avons là. Et Liverpool qui est intéressé à jouer ça. Liverpool qui est intéressé à jeune jouer ça. Un jeune brésilien qui a joué dans l'équipe Ajax. Là. Et Liverpool lui-même qui a essayé là pour capable de remplacer et Mohamed Salah. Puis c'est Mohamed Salah lui-même. Puis c'est pourquoi jouer vraiment là encore avec Mohamed Salah. Et Liverpool lui-même qui n'a pas dormi, qui commence à chercher. Et puisque
et Barcelone là déjà ami dans quelque sorte équipe Liverpool là là déjà et fixé vieux là sur jeune brésilien ça et Anthony monsieur lui-même qui a impressionné mon en pile et monsieur lui-même qui a joué un excellent match devant l'équipe Borussia Dortmund et monsieur qui a délivré plusieurs passes dans un contre là dans la Ligue des Champions et attaquant équipe Ajax lui-même monsieur vraiment là tu fait deux passes décisives mesdames et messieurs jeune joueur ça qui gagne 21 ans et valeur monsieur déjà estimé à 25 millions d'euros par Transfermarkt et Transfermarkt et TMF TMF là et au viseur aussi et en Haïti là nous comprenons pour ça Transfermarkt et là avec Transfermarkt là lui-même après je vais aller même gagner contrat pour combien de temps et pour qu'il ait contrat là terminé et combien pour combien cob et côté à ça et TMF hein et Transfermarkt system voilà Transfermarkt system bon Haïti là nous comprenons là bon équipe Liverpool là qui est intéressé à jeune joueur ça côté Liverpool lui-même. Bon, et Maïso bien-aimé, maintenant qu'elle a taré là. Maïso bien-aimé, et Maïso bien-aimé, la fin qu'on est connecté là. Et nous allons, Maïso bien-aimé, depuis Port de Belle lui-même, qui belle et bien connecté avec nous. Ah, monsieur, officier vous dit, monsieur te dit, ah, et Barcelone n'a pas taré là. Maïso bien-aimé, depuis Port de Belle, salut mon ami, mon frère. Voilà. Et j'ai que d'Abdilan là. Équipe Liverpool là qui jette des volées là et sous Anthony, son jeune attaquant, son Brésilien qui est mis là, mais c'est âgé simplement 21 ans. Et bon, on vivait à garder bagay là. On vivait à garder bagay là. Nous pas même prêts pour un championnat 4. Nous pas même prêts pour un championnat 4. Bon, c'est chargé. Bon, voilà. Dès Abdilan là, équipe Liverpool là intéressé à jeune joueur ça, jeune joueur ça a 21 ans, monsieur le Anthony, son attaquant qui est monsieur là sous dans ça concerne TMS transfert matching system là et monsieur lui-même qui est estimé à 25 millions d'euros par transfert market là et monsieur lui-même vraiment là est capable d'aller en dans équipe Liverpool là puisque Liverpool intéressé à monsieur selon un express en effet côté nous connaissons à quoi que Liverpool gagne avec Mohamed Salah et puis c'est Salah lui-même qui réclamait un salaire de 465 000 euros par semaine mesdames et messieurs un montant que qui bouleversait en pile les dirigeants équipe Liverpool yo. Et yo même yo pas et yo pas souhaité que et fait ça mesdames et messieurs puis arriver paye Mohamed Salah 465 000 euros par semaine c'est là j'ai cap gaspillé et puis nous même nous gon football nous fait dans tout dans pays d'Haïti hein c'est là j'ai cap gaspillé je vais lui même lui réclamer 465 000 euros par semaine. Et l'agence là a payé combien l'agence a lui-même 465 000 euros par semaine là. Vous avez qui chiffre, mesdames et messieurs. Mohamed Salah réclame, mesdames et messieurs. Nous avons des caméras de souscrime là. Non? Ok. Vous avez ici là, non. c'est ça. Et on regarde ça là. Mm-hmm. Et Mohamed Salah réclame là, mesdames et messieurs, 465 000 euros. Pas semaine, mesdames et messieurs. C'est que Mohamed Salah a réclamé, oui, là. Oui, là. Ah, bon. Et je viens de là. Mohamed Salah est vraiment réclamé, on va faire de, un salaire de 465 000 euros par semaine. Et qui me livre pour là lui-même, pas voulu. Et bye, Salah, l'agent, ça. Et c'est pour ça Liverpool commence à chercher l'autre joueur qui est capable de remplacer Mohamed Salah. Côté Évucien là, on des goûts comme ça. Et n'a pas été temps pour nous suivre. Vous ne connaissez comment ça va aller. Et non, Jean Cap vient là, Mohamed Salah. Mais c'est pas libre là. C'est pas libre.
li pralé libre, mesdames et messieurs. Et puis donc, il y a plusieurs équipes là qui sont intéressées à jeunes joueurs. Surtout qu'il y a Barcelone, ou y a Bayern Munich, qui même qui des joueurs ça. Et tu qui va venir là, Bayern Munich et Barcelone, il y a une grosse bataille là, ou Liverpool, Bayern Munich. Et Barcelone, pas une grosse bataille. Oui, j'ai acheté 8000 dollars et pas moi, là. Et puis j'ai acheté ça l'a fait. Il va pas gagner, non, là. Il n'y a pas gagner. Il n'y a pas gagner, non, là. 8000 dollars pas moi, là. Pour aller à la. Si même on ne fait pas de défaut, on va garder mes 16 000. Et dollars là, j'ai touché là. Ça, j'ai fait même. Et les grands français agissent dans la bio, il a là, et puis il a touché. Et puis donc, je vais au cap. Pas ces mises en bas. Il va même cacher, on partait chaud. On partait code des gens qui ont encore dit là. Et j'ai acquis 8000 dollars. C'est à l'opéra à l'envers. Bon, bien aimé, c'est pas nous qui avons minimiser. Et là, quand en bas, c'est pas parce que nous n'avons pas que dirigeants tête en bas. Les dirigeants, ils n'ont pas notamment un pays. C'est tête en bas, ok, ouais. On va dire, mais ils bien aimés, comme jeune joueur, là. Pas pour nous, mais comme jeune joueur, là, qui dit papier pour sélection encore, et qui c'est Nelou Nicolas. Et nous, on t'a dit à Billy Chalera, à Gresseli, là, à mettre mes souliers. Fabien Namirai, il est le secrétaire général là, pour dire ça. Le secrétaire général a dit que casser fait couvrir ça. Hein? Et quand il y a là, papa est entré dans le cas et puis donc, grosse discussion. Et il y a même menace qui fait, et papa même, quand il y a pas même côté encore, non là. Et bon, c'est pas nous même qui minimisons ça, non là. C'est les gens qui n'ont pas. Jean qui est dirigeant a fait bagaille en bas qui va bon il a fait tête en bas ça même être ces gens qui souffrir là vous donnez Mohamed Salah réclamé en fait de 465 000 euros par semaine c'est ça qu'il réclame nous à importance et pays qui a fait football et nous même nous là on va nous affiler à la FIFA depuis 1904 si même pas fait défaut qui ça que nous régler. Nous participons dans la Coupe du Monde de 1972. Nous avons frappé Tomac. Nous avons frappé Tomac et nous 10 nous dates. Hein? Nous avons participé dans la Coupe du Monde 72 et 74. Oh, 74. Ah, mon cher, Maïso, bien aimé. Quand on avait une gâte ensemble, mon cher. Puis, j'ai un plus bon que Ronald. Comment ne pas faire ça, Maïso? Maïso, bien aimé. Ah, pas faire ça, mon cher, pas faire ça, man. Ah, ça me pas d'abgarder l'équipe Jean Jacques Tapcoche. Entre les trois lignes, qui est bon. Mais ça, bien aimé, entre les trois lignes, qui ça, Jean Jacques fait qui bon là? Entre les trois lignes, qui ligne qui est bon dans trois lignes là? Qui ça, où on te senti en près de Jean Jacques là? On ne va pas dire Jean Jacques fait une équipe, bon, on est la crasse de verser, hein. Il y a un monsieur qui dit qu'il a parlé pour le contrat. Ah, moi, je ne sais pas faire ça, Maïso Bien-Aimé. Ah, mais moi, je pense que c'était une top téléspectateur. Oui, là, Maïso Bien-Aimé. Ah, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça, Bien-Aimé. Je connais Ronald Koeman, je ne sais pas faire ça, comment tu comment faire là. Mais on va mettre Ronald Koeman avec Jean-Jacques. Je n'ai pas même une bonne licence, même. Une licence pour entraîner Timon. Ah, moi, je ne sais pas. Qui est-ce que tu as mis là, Bien-Aimé? Bien aimé, vous ne pouvez pas me fâcher là, va dire. Bien aimé, qui t'aime faire? Maïso, bien aimé, pas faire ça, oui. Ma pression, Maïso, bien aimé, dans le département nord-ouest, là, vous êtes connecté avec nous. Ah, mon cher, on sait qui est Maïso. Ah, ça, mon cher. Il y a beaucoup de prêts pour entraîner. C'est l'équipe Timoun Boujan qui est entraîné, oui, va dire. Et qu'on y a là, on va entrer en sélection senior. Et là, pourquoi même voler avec un maman pour nous, là, ou bien, quand il y a là, ou bien, c'est le guichet coq là. Allons, pays, papa. Pays, Haïti, t'es chargé, là. Mais ils sont bien aimés. Et, mais c'est pas pourquoi prenons pour l'entraîner dans l'équipe.
pas de bon comprendre. De là, quand la maïsson, qui c'est moi, je vais regarder ça, là, je vais venir avec Baïkose. Chaque fois que je fais une mission, je vais bien là, je vais venir avec Baïkose. Je vais pas comprendre. Je vais apprendre toujours. Chaque monde qui a commencé, mais il va commencer dans la tête. Il va dire que vous commencez dans la tête, mais dans le CGM. Voilà. Oui, et chaque fois que là, officier, vous dites que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que anyway. Maintenant, l'équipe Ajax là, Ajax lui-même, en quelque sorte, il fait jouer, il forme jouer, et puis donc après ça, il fait masselage avec eux. Et comme Nyolande là, il espère là, puis il est capable de gagner au moins 40 millions d'euros pour jouer. Et n'a prêté pour nous tendre, pour nous connaître, et saison qui était écoulée là. Et monsieur lui-même, vraiment là, en termes de double digit goal et passes décisives, c'est qu'il a réalisé 10 goals et 10 passes décisives pour saison qui était écoulée avec l'équipe Ajax. Et joueur ça lui-même, c'est un joueur qui est tout à fait intéressant, monsieur lui-même, qui a grandi en parlant d'Anthony. Anthony, c'est un Brésilien qui est là. et en tout cas, là, Anthony lui-même, un petit joueur vraiment là, intéressé à jouer ça. Bon, c'est pas seulement Balguin là, j'en tout. Puis acheter le joueur là. Barcelone toujours dit au sous-joueur, puis donc, le bagage, c'est qui est arrivé, Barcelone Balguin là. Pas de problème, bien aimé, en tout cas, nous pas de problème, nos amis. Pas de problème. Mais en tout cas, là-bas, avec des gens avec, j'ai pas encore prêt à dire ça. J'ai pas encore prêt pour venir entraîner en sélection senior. Bah écoutez, tu équipe en bas là, puis travailler avec là pour expérience bien pour monter. Il fait bon prêt. Parce que joueur qui l'a entraîné là et bagaille là-bas travailler là-bas faire pour là, c'est pas tout monde. Et je pas dans la bouille, c'est dans gros banane, gros yam, hein. Voilà. Bon, et n'a quitté l'information ça, surtout, et nous gagnons là Alan, et en quelque sorte Anthony, qui est tout à fait intéressant. Mais nous gagnons Alan tout, là. Alan là, et je nomme ça là, et moi, il fallait son poisson d'avril, tantôt, il s'est parlé là, tantôt, il parlait là. L'équipe, et d'autres monde là. Connais-donc, tu as sorti là. Donc, tu as bon. Docteur, officier, m'bala vili, docteur. Voilà, m'bala vili. Docteur Abnel Augustin, mon ami, mon frère, comment est docteur? Yeah, je suis bouddhiste, fanatique, c'est Medina TV. Officier Woody, nous en direct, comme d'habitude, même si ça fait bon petit bout de temps que. Non pas sous table ensemble, mais c'est toujours une nostalgie, c'est toujours une cherté pourquoi faire, parce que Saint-Louis-Dino, c'est la caille. Nous, bon, nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices Saint-Louis-Dino, nous en direct depuis en Amérique du Sud, plus précisément à la capitale d'Argentine, Buenos Aires, pour nous dire tout ça qui vient pour passer, tout ça qui a passé, pour nous parler des marchés de transfert, tout ça qui pour faire, puisque nous-mêmes, c'est Saint-Louis-Dino. Nous sur tous ces continents, ces forces nous, c'est ça qui fait cadre nous sur Saint-Louis-Dino TV, le Gébritis, officier Oudi, et toute fanatique, toute téléspectatrice, encore téléspectateur, Saint-Louis-Dino TV. Bon, voilà, et donc, nous comptons vous retrouver, et dernièrement, nous comptons pas en forme. Et tout le monde en forme, qu'on y a là, et tout le monde en forme maintenant, docteur Abnel Augustin. Tout va en forme, et nous réactivités nous, et c'était une petite chirurgie, c'est-à-dire une implantation, et dentaire qui était faite, bon, pas si tellement de risque, nous réactivités nous, tout va en forme de Gébritis. Bon, c'est ça, bon, il fallait dire officier à tout, ou citizen, pays argentin, bon, on dit ça, tout le monde. On y a là, et qui va nous pas avoir donc là, c'est un résident. Non, pays argentin. Monsieur, c'est un argentin. C'est une carte, monsieur argentin. Vous avez une résidence, il est beaucoup argentin. Bon, il faut nous dire là, monsieur là, est résident argentin. Bon, bon, on dit là, il faut mettre une petite précision pour lui, parce que depuis qu'on bagaille, et puis c'est lui dit non, on bagaille, parce que c'est lui dit non, écoutez-nous loin. Oui.
yo kote nou loin fòk nou bay ti presijon sa ki gen bon Argentine toujou fòk nou pale puisque sa Argentine ni donc il gen moun k ap tande et toujou bon pou nou bay des petites explications sur l'Argentine pa bien Argentine le Brésil et l'Équateur le Chili tout pays ça yo fait partie pays latino-américains, c'est-à-dire et Amérique du Sud là où joint 10 pays ça la donne et parce que et en pile monde fanatique argentine, grand pile fanatique argentine non seulement pour football mais pour culture parce que Argentine c'est un pays totalement touristique. Mais qui ça qui gagne, il y a une différence dans pays ça entre Brésil, Argentine, Chili et ces trois pays ça en plus tenir compte de l'eau, Équateur tout parce que c'est tout. C'est une cinq pays en Amérique du Sud capable de plus haïtien, haïtien pas si tellement aller Uruguay, Bolivie, haïtien pas si tellement aller Paraguay aussi. C'est Chili, Brésil et puis Argentine nous joine quelques green haïtien. Argentine pas un pays qui gagne pile haïtien. Vous comprenez ça me dit là? Donc haïtien toujours haïtien fait choix Brésil ou bien Chili pour qui ça économiquement et haïtien aller Chili parce qu'il a rentré comme la rentré plus parce que non Amérique du Sud là mais du Chili ils sont gros son potentiel économique qui est l'on parle de Chili et gen moun ki sorti en Europe qui vin travaille Chili gen moun ki sorti Mexique qui travaille Chili et moun connaît deux trois green argentin moun connaît cinq brésiliens avec yo moun gen frère m'a avec yo qui t'a travaillé États-Unis yo dit yo sorti États-Unis yo vin travaille Chili parce que rentrer à plus bagay ou pas ka nous quitter Chili, yo pral États-Unis. Mais vous comprenez? Donc, ou pourquoi Argentine? Bon, officier a dit Argentine nèg la déjà. Non, yo résidence par nationalité. Mais actuellement là parce que nous pas fait jolé, nous pas qu'on fait jolé si pour une résidence après pas oublier nous-mêmes ces médecins nouyé bon grand pile temps que grand temps là m'a travaille en Argentine dans l'hôpital public tant qu'au privé côté que m'bay toute vie côté que n'entra coronavirus en pile sacrifice qu'on songe que comment m'était passé coronavirus là après m'était contaminé dans différentes comment m'était cadeau ça dans centre hospitalier côté m'a travail que m'étais en dépend coronavirus il était vraiment frappé moi donc et c'est tout parce que médecins sont compromis de choisir étudier médecine et c'est pas quelle belle adonne c'est pour carrière ou à mettre vers blanc faut qu'on mette mon ensemble faut qu'on travaille donc c'est ça m'était fait donc m'était rentré pour la donne et me pour travailler malgré que m'était contaminé toujours tiens à ce que m'baille soin et mes pour mon qui est son médecin actif mieux ça fait donc ou après toujours m'a travaillé soit 24 heures de temps avant terminer dans l'autre hôpital donc yo ba opportunité et ça qui gagne yo ban yon licence gouvernement agent en ban yon licence yo ban yon matricule donc et après que m fin fait tout sacrifice yo wè que m présenter tout papier tout bagay ça yo donc après ça me fait réquisition donc m gen quelques bagay quelques critères m'en comble encore bon yo ban yon résidence 15 ans donc actuellement là m gen ta appliqué donc aller dans palais justice c'est pas les justice c'est pas justice là qui fait ça donc m'a appliqué pour nationalité donc nationalité qui était en cours là après résidence au Bam là dans 3 jours qui était appliqué pour nationalité honnête c'est ça qui gagne Haïti et m'a dit ça Haïti yo pas si tellement reconnaître valeur on pense c'est un pays et donc même l'on gagne valeur que yo pas honore yo pas honore valeur mais en pile pays dans monde dans l'or que son valeur yo reconnaître tout yo bon valeur toujours honore donc c'est ça qui gagne qui fait que et bon de, après j'aime ce dollar tout sacrifice que yo bon yon résidence ça son gros bagaille donc l'on non pays que ou bon salaire et ou bon salaire plus ou après ton petit cob même si cob la pata en pile mon ou légal ou gon résidence là dedans penser qu'on capable tranquilliser c'est problème ça qui fait que en pile monde qu'on a critiqué et
calé qui prend route la calé États-Unis, haïtien qui sorti et Brésil qui prend route la calé États-Unis, mais pas oublier les connons pays ou pas gain document ou gain ti moun gain document bon pas gain document et pour gons ou gon ti travail là ou prend ton ti cop donc ou pas garanti vrai parce que pour à l'aise non pays faut ou gain document c'est à dire gon résidence ou gon document légal et puis tout ou après rentrer cop donc ou après rentrer ou gain moyen même si ou pas rentre gon cop mon gon moyen pour capable pour capable gérer vie ou ça c'est un point folier donc et ça Argentine c'est un pays tout n'a dit tout et vraiment pile monde critique Argentine comme un pays qui gain raciste un pays raciste en pile dans monde critiquer les gain raciste vrai mais Argentine c'est un pays tout de pour remplir critère tout il bon document il bon résidence ou en pile haïtien là en pile haïtien que nationalité pas de problème pour bon nationalité pas de problème pour bon résidence 15 ans et il suffit que remplir tout critère immigratoire ou déjà british effectivement tout là gala officier ou dit là nous on pas nous pas docteur là et docteur dans tout dit là monsieur c'est résident qu'il est là monsieur gien bagaille dans mais non. Non, pas résident, nous dans quelques mois là, agent est ma vie, c'est pas vrai, mon ennemi pour Argentine. Donc, je me dis que je suis appliqué là, ou qu'on est que nous pas qu'on envoie mon ennemi de Brésil. Je dis que je suis en train de m'appliquer pour nationalité après résidence, non? Donc, là, pour gagner nationalité argentine m'ont donné seulement 4 bagages. Ils m'ont donné qu'on gagne résidence permanente et ils m'ont donné que ou gagne à résidence permanente gagne 2 ans dans territoire son pas jamais sorti dans le pays là. Ils m'ont donné que ou gagne ou payer impôt locatif dans 2 derniers mois yo et puis qui l'autre bagage comme penser que c'est bail plus que en puis mandé que ou gon domicile ou bail un papier qui ont font déclaration jurée qui ont été ou gon côté rete ou gon domicile là bon y a pas de problème avec nous ou remplir 4 conditions ça yo et puis tout pas que aucun antécédent ni Haïti antécédent pénal c'est-à-dire si on est condamné pour vol pour drogue ou bien n'importe bagaille Haïti ou connaissez ou vin serre mon chou pas ou pas ou pas commencer gain résidence ou pas commencer bon résidence non vous comprenez donc depuis que et ou propre son monde propre ouyé donc on capable non donc ou capable aller avec un reçu que ou travailler dans santé publique ou pas ou son monde qui utile pays donc si on t'a bon un an on t'a prend un an pour bon résidence donc capable bon dans 2-3 mois si on t'a prend un an pour bon yon nationalité ou capable bon yon passeport argentin non 5 mois de j'ai brité c'est comme ça vous comprenez. Félicitations donc et vraiment content pour vous et d'ça je sois plus posé et d'ça va prendre plus bon job hein va prendre plus bon job. Exactement l'esprit plus posé parce que une fois que ou gagne résidence ou gagne résidence ou gagne nation ou gagne résidence non capable et rentrer même si on était bonne opportunité parce que ici là y a une opportunité qui faut grand pile pas grand pile haïtien mais quelques grand haïtien Argentine c'est un pays. Si on a un pays avec du sud là qui offre plus gros éducation, pas que menti la donne, moun ki on a, moun ki Brésil, moun ki Chili capable comprendre ça, leur bon diplôme, ou sauter avec lui en Argentine, c'est un diplôme international, parce que, moun sa yon éducation qui se yon, qui gon haut niveau dans le monde, non, et wap gade ou en pile, ou pas besoin en pile haïtien ici là, mais grand haïtien qui vient là, yo, c'est haïtien qui vient retirer yon titre, parce que, ou pas qu'à venir en Argentine pour commander kadou ça pour venir préparer, pour venir faire quoi? Et pour un pays où capable de faire quoi parce que c'est un pays qui est vraiment en crise là. Donc, l'aime en crise là, c'est-à-dire, si vous avez 1000 pesos argentés, c'est 1000 gouttes haïtiens. C'est-à-dire, son pays qui a une monnaie qui est équivalent avec l'argent haïtien. Donc, son pays, si vous êtes capable de venir étudier, mais pour venir faire quoi ou pas venir faire quoi. Donc, lorsqu'on résidence, nous encore, vous capable de faire une spécialisation dans neurochirurgie, dans cardiologie, dans n'importe branche où t'as même une spécialisation, appelle parce que, ou gon résidence ou bien ou gon nationalité dans le pays, c'est tout avantage ça que Argentine offre et de Gébritis. Effectivement, donc, bon, il n'a pas avancé avec l'information. Nous, Guy là, et Diego Simeone, c'est maintenant barré la DPT, là, Diego Simeone, c'est un dernier qui a touché plus l'argent, il a un second contrat de 40 millions d'euros brut par année. Et monsieur là et Cristiano Ronaldo Neymar malgré que c'est contrat annexe ça là on connaît ça monte là les mêmes pas vraiment contrat vrai mais du coup si monsieur lui-même en quelque sorte c'est
et qui a un contrat avec la touche on a fait de 40 millions d'euros brut par année avec l'équipe Atlético Madrid. Et pour moi-même, je suis étonné de ça et c'est tout projet en lui-même. Mais c'est un monde qui vraiment aidé pour le Atlético Madrid là, et Dr. Abner Lorissé. Bon, et ça qui gagne entre Diego Simeone avec Mourinho ou bien Guardiola ou Pochettino, nous sommes capables de prendre quelques grands entraîneurs, vous pensez que vous coûte toucher plus comme que Diego Simeone. Et faut que nous précisions, Diego Simeone est nous capable Atletico qui est équipe liée. Donc, et pas pour sans raison si on peut Diego, parce que ils font pile effort avec Atletico. Et Cholo, d'après les statistiques, il faut il joue plusieurs, il fait plusieurs finales avec Atletico et toujours il y a une qualité latrier joueur. C'est une équipe tout et problème Atletico chaque temps toujours des bons joueurs, mais joueurs toujours fait deux saisons y aller. C'est Diego Simeone comme si c'est un professeur. On fait comme là, donc là, on paye M. Cob là, on paye comme ça, c'est pas pour dire que c'est un Cob que y'a été qu'à payer, y'a été qu'à payer un seul autre type de Cob passé, y'a été qu'à payer comment type de Cob passé, y'a été qu'à payer pour dire que type de Cob passé, les gars, puis l'entraîneur, mais c'est ça le bas Atletico, côté le pré-Atletico, c'est ça le produit avec Atletico, donc si tu as retiré Diego Simeone en Atletico, je t'ai dit là, allez sur équipe qui est capable de descendre en deuxième division, parce que c'est pour une équipe qui gagne la trier joueur, qui gagne l'école football. Côté que on prend des joueurs qui montent, c'est toujours des joueurs âgés, toujours prêts. Puis Diego Ferro, donc il offre monsieur plusieurs fois à tête sélection Argentine, mais Atletico obligé qu'il y ait monsieur parce que c'est un bon coach, monsieur, capable de dire ça. Vrai, si tu apprends n'importe équipe capable d'investir, capable de mettre comme l'idée, on lui fait Diego entrer. Donc, c'est pas pour sans raison, c'est pour un cadeau de faire Diego, si que il sorti un entraîneur qui m'est touché dans le monde de jeu British. Nous avons Pep Guardiola qui en deuxième a touché 23 millions d'euros. Il y a un club allemand qui est dans Liverpool 17 500 000 euros. Et Guinéen, notamment Antonio Conte, monsieur qui retourne dans le pays de l'Angleterre. Nous sommes été abandonnés avec l'équipe Chelsea, qui était champion avec Chelsea, tout ça. Et monsieur qui débarque dans le pays de l'Angleterre. Monsieur lui-même qui a touché une affaire de 12 millions d'euros. Bon, nous sommes capables là et pour M. Milano Allegri, monsieur lui-même, il a touché 13 millions, mais Diego Simeone lui-même, avec 40 millions d'euros. Et ça fait un pile parler, bon, en tous les cas là, pour le travail que M. a fait. Et j'ai comme dit dans l'émission, nous avons fait sport et jeudi soir avec Officéan et Plaisir. Et nous avons dit que Diego Simeone, M. lui-même, et Joyo, ils ont formé Joyo, et puis donc, travaillé avec Joyo, et puis ils ont vendu, ils ont fait quoi? Et puis malgré Joyo, pas de rien qui sort dans l'équipe là. Exactement. Je suis capable de comparer, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et je vais le comparer dans le sens, et je vais le dire, je vais comparer Haïti avec l'Espagne. Donc, je vais juste prendre une équipe qui est Haïti, qui consomme, c'est le Real du Cap, qui toujours a des bons joueurs là-dedans. Parce que yo même yo gen l'école football et yo formé joueurs toujours jouen, toujours garder joueurs ça plus que équipe ça en pile moun garder et Real du Cap de coach Saint-Ville des Brits moi pense c'est une équipe toujours avec des bons joueurs qui jouer et puis l'autre n'a pas joué ça yo pas qu'un bon joueur donc l'autre c'est sous ta entraîneur tant que coach Saint-Ville c'est entraîneur qui a mieux qui t'a mieux touché Haïti parce que non seulement il formé joueurs tout parce que équipe là fait cop c'est ça qui est dans football là depuis que on fait équipe là fait cop et puis ou une sortie un professeur à la fin entraîneur ou toujours bien touché et maintenant tout depuis que ou bay résultat et ou fait équipe la faire comme sauf avec des trophées ou bien avec des victoires ou bien avec des bons joueurs mais à compter comme ou c'est raison y a raison pour laquelle ou capable ouais Vinicius pour le passer devant pile parce que réellement il est en offrir te comme ou pas monsieur pour le toucher comme et m'a regardé là et Vinicius non, il n'y a pas de choix, Et ça, monde n'a besoin. C'est résultat football, là, c'est résultat. Hier, je dis, ouais, Neymar, ou capable, non, en prochaine année, on mette Neymar sur le marché de transfert. Pas de monde qui besoin, parce que, monsieur, vraiment, faut que monde tenu compte
nous chambers, il pas produit un bon football et c'est pas bail résultat. On va pouvoir venir ici là dans dernier moment là, c'est monsieur qui on te cas tout ça, c'est Ligue 20 et Real Madrid, c'est une victoire. Et j'ai mis à breakdown équipe là down, monsieur a et casser joueur, fait passion pour jouer. Non, c'est un bon joueur, monsieur. Donc, monsieur, t'es juste besoin de football. Football a gagné ça. Football a gagné. Monsieur, t'es juste besoin de confiance. Parce que, pas oublier que Vinicius Junior t'a joué avec Zidane, son jeune joueur. Parce que Ancelotti, c'est un bagaille qui est capable toujours et bah, tout mérite lui. Mettez chapeau bas devant lui. C'est parce que lui, bah, jeune joueur, ou pas qu'à gagner Rodrigo, pas qu'à gagner Albon, pas qu'à gagner Vinicius, pour gagner des jeunes joueurs. Et puis l'équipe là, elle l'achète, et puis vous-même, là, vous nous mettez joueur sous banc. Donc, on va faire grand monde jouer, c'est Lucas, on va faire jouer. Je pense que les jeunes joueurs besoin de mettre des anciens qui ont expérience ensemble avec eux. Mon bac à l'équipe, pour mettre Marcelo, ou mettre Cavajal, ou mettre Modric, ou mettre Kous, ou mettre Casemiro. Et puis, vous avez des jeunes joueurs, 25 ans, 22 ans, 18 ans, pour y apprendre banc. Donc, je pense que c'est toute confiance ça, et Vinicius Junior qui fait que Jodia, là, c'est un ambiteur. Yon passeur et Real Madrid gagné, c'est ou capable, si y a parlé de Real Madrid, qu'on n'y a pas capable de parler de Vinicius, puisque c'est yon nan joueur qui déséquilibré, et ou capable de se tolé monde nan fait à cause que entraîneur Brésil a pas trélé, monsieur, pas fait appel à monsieur pour jouer dans sélection. Tout le monde te pensé ça, c'est un crime que tu t'étais fait parce que ou pas capable de brûler pour ou après les ressources, ou après les Casemiro, ou après les Neymar, et puis ou bon potentialité. Comme ça, pour qu'on joue comme ça, pour préparer mondial, nos jeunes joueurs comme ça, puis tout, pour pas faire appel. Je pensais que c'était vraiment, et maintenant, toute semaine, toutes deux semaines, après que l'entraîneur Tite était fin fait appel avec 23 joueurs, je pensais que c'était un pile et critique qui t'est gagné parce que les pas fait appel avec le grand ou bien le jeune Vinicius et Junior, et dans ce moment-là, qui s'est capable d'où c'est une bête noire pour un pile équipe. C'est un joueur presque tout terrain parce que on m'a regardé dans un match l'autre jour dans un match passé à que et Ancelotti habitué qu'on y a la fait monsieur sorti sous l'aile gauche là parce que l'aile gauche là c'est monsieur vraiment déséquilibré si que ou besoin qu'on ait comment monsieur était déséquilibré moun fait une équipe fait un fanatique Barcelone écrit en bas live là qui s'est passé dans classico là donc il est capable de comment ministre tout monde. Il y a un peu de temps. C'est meilleur joueur, c'est joueur qui déséquilibre moun en défense. Logan, actuellement, la logan défense, ou bien, Vinicius cap pour ici, mon cher, ou bien travail pour faire, ou après, comment, moun rale maille, ou moun, ou comment il fait ce slogan, ou la tête en kouma bouya, et porte Barcelone. Je pense que, monsieur mérite place, non seulement en équipe, Madrid là, mais en dans sélection brésilienne, pas bon monde pensait que attaquant yo, il n'y a pas quoi gen moun là qui capable et offrir plus bagay en dans attaque Brésil là que Kevin ici, c'est DG Boutis. On parle de Coupe du Monde, ou besoin de jouer ça, Coupe du Monde, et pas rien plus match qui était là, et faut des titres à essayer. Ouais, comment il est capable d'inclure monsieur dans sa cafette là parce que pour Coupe du Monde, on a besoin de jouer ça. On a besoin de jouer, les bagages sont vraiment serrés. Équipe qui est capable de jouer, qui est capable de déséquilibrer, une équipe qui tout à fait a break de force en down. On a besoin de jouer comme ça dans l'équipe. Docteur Abner. Oui, exactement, DG Boutis. On a besoin de jouer ça parce que. Je pense que Neymar, c'est un joueur dans le dernier moment là qui met le jouet en retard. Alors que Neymar l'a joué, on regarde ni face à ni en dans sélection brésilienne, hein, ni en dans équipe parisienne. Hein. Donc, on après le monsieur joué soi-disant que le Mbappé, le Messi en dans bon côté. Mais c'est un joueur qui passe tellement by vitesse, qui perdit Kousli, qui perdit Mbappé, si c'est la récupérer, Mbappé, si c'est prêt que il prend, monsieur Gonçu, prêt à la donne. Mais, monsieur, quand même, Neymar noté en 2018.
2019 là nous et c'est pas normal ça nous gagner ni dans sélection brésilienne ni dans sélection ni dans équipe parisienne et yon joue tant pour Vinicius là gagne Paqueta ou bien tagué ou gagne Neymar qui ce sont des buteurs francs vous voyez l'équipe yo pas si tellement raté goal ou bon joue cap déséquilibré tant pour Vinicius non seulement monsieur Goncous et puis tout monsieur jeune et monsieur gagne juste sous lui donc ou pas ta ka faire grand erreur ça alors qu'on pral dans mondial et déjà Brice pendant qu'on parlait de sélection brésilienne pour préparation lui et il y a un problème que fanatique mon cap garder sélection brésilienne gain avec Tite ça parce que monsieur dans dernier moment là ou capable et entraîneur ou bien sélection argentine yo même yo gain une équipe petite depuis yo fin jouer yo jouer éliminatoire et Qatar 2022 là yo jouer Copa América yo gain yon 22 joueurs yon 23 joueurs pas changé yo pas si tellement fait rotation dans les c'est ça qui fait que ou Argentine a produit un bon football parce que yo gain yon 22 joueurs yo gon 18 yo gon 20 qui sûr que yo gain De Paul yo gain Messi yo gain Palet yo gain Neymar yo gain et yo gain c'est-à-dire pas Neymar yo gain Di Maria et yo gain pile yo gain Dibou et yo gen gardien d'abord c'est ton problème gardien argentin depuis longtemps argentin te gon problème gardien donc yo gen un bon gardien et yo gen bon attaquant mi tante yo pas mal du tout gen De Paul qui en dans Atletico ouais comment Simeone utilise monsieur et puis monsieur son bon pionnier tout en dans sélection argentine soit disant l'on mette là à droite il jouer donc argentine OK mais là nous prend équipe Brésil là jusqu'à présent Brésil pour qu'on gagne une sélection parce que tu t'es chaque match où elle fait appel à soi avec certains joueurs, c'est trié jusqu'à présent, c'est trié, la trié joueur, c'est difficile ou pas, bon, Brésil capable toujours bon mondial, mais avec doute parce que, non, il pas sûr. Si vous capable, tellement, je pas sûr, où elle paraît le Vinicius pour ta faire sélection avec lui, donc, jusqu'à présent, je pense que dans pile monde tout, dans la presse brésilienne, qui m'a dédié pas, et sélectionneur, et brésilien en parlant de Tite avant mondial parce que yo pa wè yon fitu yo pa un Brésil qui pourrait retirer yon trophée face à des grands pays européens l'on prend la France ou l'Espagne ou prend Belgique ou prend Italie ou qui football équipe ça produit ou qui volume joueur au gain donc l'option en Amérique du Sud là me pense que faut qu'on saute avec bon Galil nan mon pour capable de défendre et face à monsieur Sao de Djibouti. Effectivement, et n'après des présentations même vraiment même Vinicius et Alba et moi au pour une sorte de équipe Real Madrid là si de l'année regarder Villa la balle elle a fait long passe là et puis donc Benzema pas scoré. Tout à fait intéressant et docteur Abner Logis. Voilà. On pense que achat il y a la bonne mauvais achat Alba son joueur qui gon potentialité et depuis Namba elle monsieur c'est un joueur qui non seulement monsieur gain cou seulement et yo Namba yon moun tout moun capable faire analyse défense et équipe Real Madrid là et ba en pile doute et pour ligne devant m'pense ligne devant même les debout gain ou gain un Casemiro ou bien gon Kroos ou gain un Modric là même si pour l'âge monsieur so, jusqu'à présent sorti ou regarder et course absolue avec meilleur joueur monsieur Nexo toujours joué ce sont des expériences rien mais défense là avec Militao avec Alba et me pense qu'avec Cabral défense là gain quelques bagages pour Ancelotti préparant dans défense équipe brésilienne mais Alba son joueur qui gon potentialité depuis dans Bayern monsieur gon frappe extrêmement et important et vraiment monsieur défendre et puis tout monsieur gain vitesse tout son bon joueur monsieur Ancelotti juste après le besoin puis mettre des bons accompagnements et avec Alba et DG Buitis bon on te laisse là et n'a pas été pour nous temps pour nous suivre comment ça va aller n'a pas eu ça aller notamment et Angelo qui a suivi non Lodwitch qui a suivi depuis République Dominicaine monsieur dit les pages pas là et nous ça n'a pas jamais on continue pas d'agir vidéo hein. Et n'a pas avancé avec information yo mais opinion pas sous avis là qui pour diriger qui vers Barcelone avant que nous allions dans la ronde ça donc et Xavi Hernandez monsieur retourner la galerie là bon et
avant aller dans Wonder Stade là parce que puisque je suis fanatique. Nous avons un petit bail pour nous parler tout parce que nous pouvons parler des sanctions. Argentine qui pour le recevoir au Brésil là dans la semaine qui vient là. Mais pas oublier que l'Argentine est champion pour nous parler sur ça. Et nous pouvons nous détailler sur ça. Mais opinion PAM et avec l'arrivée de Zavi, je pense que premier match Zavi, Zavi fait 3 buts partout et pas oublier équipe Barcelone pour nous dire encore pas gain monde qui Xavi pas capoter et toute ça gain pour le porter dans première année ça et face à Barcelone pas oublier prend Barcelone l'argent Jean Barcelonier là avec joueur que là ou pas ca un bon entraîneur ou pas gain bon joueur c'est-à-dire pas entraîneur entraîneur c'est un guide lié entraîneur c'est consigne bail entraîneur c'est préparer joueur mais moun ki acteur souterrain c'est joueur moun ki joue moun ki souterrain c'est moun ki souterrain c'est joueur donc me penser et Barcelone et Logan ou gen Fati là monsieur saute sous blessure me penser monsieur pral prend quelques mois bien quelques même quelques semaines pour monsieur retourner sous terrain football encore et moun ki souterrain Barcelone yo me penser Xavi gen travail pour faire il pral faire des recommandations monsieur pral mander des joueurs des 109 en d'équipe là et pas mauvais choix parce que Xavi c'est un bon joueur monsieur bon passé non seulement psychologiquement là bon pour monsieur là bon pour jouer parce que monsieur c'est petit Barcelone lié c'est pas dehors te mettre monsieur et puis tout quand même monsieur saute faire expérience c'est ça nous toujours dit c'est ça moi même nous toujours dit avec coach sélection haïtien donc l'ogé plan pour entraîner une grande équipe ou bien plan pour entraîner une sélection c'est à le préparer pour capable remplir ses vœux donc monsieur saute préparer vraiment monsieur faire expérience en je fais expérience 3 ou bien 4 années là avec une équipe qui pas dans top et en Espagne là mais qu'on y a là je retourne avec CV en forme penser que monsieur tout papi devant tout si monsieur bail résultat bien monsieur bien comporté ou capable venir nous entraîner comme un entraîneur dans sélection espagnole là donc c'est ça qui football là c'est ça l'ambition pour faire pour réaliser un bagaille c'est préparer c'est ça que nous toujours dit et pour coach Jean-Jacques donc puisqu'il était gain plan pour t'entraîner sélection haïtienne donc il me pensait et pour te choisir entraîner une équipe même en 5e division pour être capable de préparer lui donc il me pensait Xavi fait un bon choix lui préparer tête lui jodi à la yo bay Barcelone c'est pas un cadeau c'est un bon choix qui capable ou pas gagner un Barcelone 2022 un beau Barcelone 2022 mais au fur et à mesure après des recrutements il me pensait que pratique Barcelonio DG Brutus là n'a prêté pour nous tant bonne suivre pour nous connaître mais puis c'est nous connaître Barcelone lui-même qui a un problème qui a un problème l'argent tu as acheté joueur et faut qu'il baisse avant petit temps là mais tant lui-même l'équipe commence à perdre pas bien plus temps non là pas passe ça bon temps une bagarre là et donc faut dégager là parce qu'il a prêté l'argent pour capable mettre l'équipe là côté équipe là de là et docteur Abner Logis voilà des choix me penser que Barcelone pour dans saison ça là Xavi tout simplement et Kembe Barcelone en première division pour position Stalle nous pour garder position Barcelone en Espagne le garde position Barcelone en phase éliminatoire et Liga des Champions Ligue des Champions et me penser que c'est Kembe c'est oui, c'est Kembe, ou APC et Kembe, pour si Kota fait Barcelone jouer et phase éliminatoire dans la Ligue des Champions, c'est-à-dire passer 8e, quart de finale, bah, ça, donc, non, s'entendre là en Espagne, penser, et Barcelone vraiment en position, et au capable d'aller position en côté là DG Brutus me pensait que Xavi c'est Kembe la battre Kembe Barcelone et puis pour faire des recrutements pour bail jouer et puis pour capable préparer plus ou moins bon Barcelone 2023-2024 même penser saison 2021-2022 donc il déjà mal parti pour Barcelone et puis mal son équipe qui est en crise hier son équipe qui est en crise non seulement crise financière mais son équipe qui gagne crise tout pour jouer qui sous terrain tout problème sous Barcelone et Barcelone et fait choix Xavi petit lacaille donc je sais pas venir exiger équipe là en fil comme pour être capable sous cette équipe là c'est un bon choix lié de Djibouti. Et avant que nous allons d'autres sélections qui suspendent là mais
Donc après là avec l'arrivée d'Antonio Conte, première ligue là vient en plein entraîneur là, l'on prend et Jürgen Klopp qui a entraîné Liverpool, Antonio Conte Tottenham, Pep Guardiola équipe Manchester City et Thomas Tuchel Chelsea. Et capable là on sait championnat que tout technicien ça là et bagaille là et pas une grosse bataille là oui la bataille tactique là pas vraiment rager docteur Amiel Augustin non seulement et championnat Angleterre là en première ligue là on pensait n'importe bon joueur un bon entraîneur toujours envie passer dans championnat ça pour remplir carrière ou et pas pour sans raison pour non seulement pas oublier en Angleterre quantité comme yon entraîneur touché comme yon paye un joueur et puis et promotion et championnat ça gain pour classement championnat ça et me pensais que et première ligue là et c'est rempli il est toujours rempli avec des bons entraîneurs et Kanté lors tout coach tout joueur tout entraîneur ça yo après joueur a toujours envie faire carrière et c'est une raison ou capable et en pile mon a parlé dans saison qu'a fini là capable gagner un Messi en Angleterre parce que joueur a toujours envie remplir carrière li faire CV li ensemble avec en Angleterre ni pour entraîneur ni pour joueur et c'est pas pour sans raison ou gain ou comment et il produit entraîneur en pile entraîneur toujours non seulement pour salaire à tout mais pour entrer pour équipe autour et entraîneur toujours intéressé pour y aller en Angleterre des jeux british voilà. Je ne sais pas si vous pour nous entendre, pour nous suivre, pour nous connaître comment ça va aller, mais son championnat lui-même, bah, tout à fait intéressant. Et puis donc, sanction qui tombait et qui sont dans la Coupe FIFA, il y a un peu de sélection, Argentine, Mexique, la France, et puis donc, Hongrie, sélection ça là qui est sanctionnée par la FIFA, docteur Abnel Augustin, puis c'est Guinan aussi anti-raciste, Guinan voilà. Des gros batailles et tout ça, et aller en ligne de compte, docteur Abnel Augustin. Non, bon, je pensais que FIFA, si c'est pour problème, la virus depuis en 2019, là, qui était gonjan affecté, ou te jouen FIFA qui gonjan passif, et ou pas jouen FIFA qui prend des. En Haïti, bon, c'est tout grand pays, ou pas si tellement touché grand pays, ou après toute journée, c'est nous-mêmes qui payons tête cassée parce que c'est petit pays, nous, bon, plus sanctionner petit pays, ou plus voyager tout petit pays, mais laisser gros pays, FIFA pas si tellement rentrer bouche là-dedans. Nous capables de voir ça qui saute passer entre Argentine et Brésil dans match qui t'a la fois dernière, côté que, jouer équipe. Ça a fait pour la première fois en Amérique du Sud, match commence 4 minutes, match suspend, yon bon bail. Donc, Argentine tombe en bas en sanction, on apprend à entrer dans le sujet principal là. Argentine tombe en bas en sanction, côté que Argentine gagne pour payer yon question de 33 000. Et pour sanction, il gagne yon sanctionnel tout, les papes caressés vont passer pour plus que 25 000 spectateurs dans la rencontre qui pral gagner les 13, les 16 là face à la sélection et brésilienne dans la province San Juan. Et ils ont limité non seulement ils ont fait le payer une amende de 33 000 dollars américains, mais ils ont sanctionné le tout pour le stade parce que le pape a rempli le stade là face à Brésil. Parce que pour, d'après l'article 13 et d'après l'article 13 dans le code, dans le pénal et FIFA, donc ils ont totalement interdit de contre non pas du football non seulement dans sélection mais même dans club tout côté que match Argentine match qui s'est passé là côté Argentine t'est arrivé et remporté la victoire face à la sélection uruguayenne de Cavani et de Suarez et 3-0 dans stade monumental ici et dans la cuisse de Buenos Aires. Je pense que pendant que entre joueurs et gardien et uruguayen c'est vraiment monsieur chaque temps monsieur était pour la toucher boula et fanatique yo Jokanel et Argentino ta face à monsieur donc FIFA arrivé sanctionner sélection Argentine pour une question de 33 000 dollars américains et puis yon limitation de tribune et sélection Argentine que yo gen pour
rencontrer dans la province sans monde face à la sélection argentine, face à la sélection brésilienne. Côté à côté sélection argentine, pas qu'à recevoir la piste. Compte avec jaune limité et exactement avec jaune limité, c'est à dire au bon quantité joué, mais si on était bon, on doit jouer sans fanatique. Ouais. Sans fanatique, c'est à dire on doit aller parce que on prévoit ça pour Argentine. Et il y a un bagage qui fait que FIFA courir prend devant parce que FIFA gagne mettre dans tête que quelques bagages passé. Non, quand il parle entre Argentine avec Brésil, pas oublier que il y a un gros conflit entre les deux pays ça. Il y a un conflit là, c'est FIFA gagne temps faire une prévention, il gagne temps sanctionner Argentine bonheur parce que capable gagne dit là dans prochain match, dans match qui va jouer là, capable gagne en pile, capable gagne problème dans match là et à cause de ça qui est passé sélection Argentine dans la pour Brésil. Comment là et me penser que c'est oui il est en sanction Argentine parce que c'est lui-même qui c'est équipe recevez là, donc s'il pas prend depuis grand match pas prend puis devant capable triste côté que et quand même capable de violence dans match Brésil là, donc Argentine tomber en bas sanction ça 33 000 euros et puis tout avec un terrain et avec un terrain 4 jaunes, c'est-à-dire limitation et quantité monde qui peut rentrer dans tribunal pas plus que 25 000 monde, alors que et un stade de 70 000 monde, de presque 100 000 monde capable de jouer, non seulement perdre comme là tout, mais et Argentine prend main li vraiment avec des thèmes racistes et dans maintenant qu'on y a là et bagay raciste là ça pas existe, ou pas avlé et vraiment ou pas interdit, mais et dans terrain football là ou pas cap chanter des cantiques racistes et des jégouitis. Effectivement, et si tout ça ça qui tout à fait intéressant. Et nous avons là plus d'une cinquantaine de sanctions en termes d'amende, de matchs à huis clos. Et plus de 50 fédérations, les mêmes, la force, les mêmes, c'est une fédération autour là. Amende, pas tellement gros, comme 1895 euros. Parce que là, tu as notamment un pile fatigue qui va te mettre Massio dans le compte là. Et c'est pour raison ça, et Mathieu déjà avec Bozni, et c'est pour venir qui détermine un goal partout. Et puis nous avons là tout Mexique, yon même, yon sanctionné Mexique, yon amende 95 000 euros. Et puis donc yon gagne deux matchs à Yuclo, yon va gagner Fanatique, pour même raison. Et puis donc nous avons la Hongrie, yon même qui écope yon amende, ça va même plus lourd, 266 000 euros. Yo gagne pour jouer deux matchs à Yuclo et puis donc ils ont déplacement sans supporter pour ainsi de racisme des supporters et puis on entend c'est à sécurité, vous savez ma bataille qui était gagné avec sécurité dans pays l'Angleterre là et nous capable là c'est une sanction qui bleu là donc tu as bien logé c'est pour la Hongrie. On pense que sanction juste maintenant pour des sanctions tout nous capable dit qui gon gens juste l'on prend dans le sens que l'autre prend un monde pour yon fanatique sanction pour massion, c'est-à-dire un monde qui pas utiliser des mesures, des barrières et contre COVID là, et ou capable ouais 2020 là, et c'était un gros crise pour équipe yon, pour sélection, côté que toute équipe yon jouait sans fanatique, donc, et puisque on y a là, yon plus ou moins gonti flexibilité qui yon baille pour capable fanatique, pour capable rentrer dans le match, mais et faut fanatique yon, équipe yon capable utiliser et masse et pour empêcher, pour pas gagner trop et désastre capable arriver côté que nan prochain mois bien dans prochaine semaine côté que capable gagner des lourdements cas ou capable gagner cas ou vin augmenter à cause de flexibilité ça qui baille dans match yo parce que sanction totalement normal c'est fédération qu'on y a là qui gagne pour motiver pour capable prendre des mesures et entrer pour sécurité à rentrer là les fanatiques qui permettent masser retirer éliminer au bas des sanctions tout me penser c'est rôle ça les fédérations pour le faire toute fanatique qui pas utiliser masse capable sanctionner yo et pour pas jamais garder match ou bien pour non seulement FIFA sanctionner
autorité fédération, mais fédération tout, pour qu'on prenne des mesures avec fanatique de Jebouitis. Et je pense que sanction tout à fait juste, c'est parce que fédération pas prendre responsabilité qui fait FIFA sanctionner fédération yo. Et l'autre pour sanction pour bataille en dans terrain pour problème, et me penser que sanction sont totalement bon, et sanction sont bon tout pour prendre face à certaines équipes en dans championnat français, parce que moi championnat ça vraiment gagne une sécurité, surtout avec équipe entraîneur argentin et comment me chérir les mêmes sans paroli. Donc non, sans paroli, équipe monsieur assez nide, monsieur équipe là, chaque match monsieur a joué ou capable un match monsieur t'a joué pour tout prochainement face à Paris Saint-Germain, là côté qu'il te fait match nul. Paris Saint-Germain était gain pile violence et était gain objet qui t'a brûlé. L'on parle de violence, il y a beaucoup de salaires d'Abson Prosper qui a signé sur le channel YouTube. C'est le numéro qui vient de salon. Et il y a un entraîneur là tout. Entraîneur Saint-Etienne dans tout là. Et monsieur là, l'entraînement là, c'est sécurité là qui accompagne monsieur là. Parce que l'équipe Saint-Etienne là pas bien marché. Violence, vraiment là, dans le championnat de France, effectivement. Je dis là, docteur Abdel Augustin, ou capable de la mission avec un peu de sécurité là, et pour sortir là. Il accompagne monsieur, puis il n'y a pas de monsieur. Même l'entraînement, il dit monsieur, pas de travail, fait dans lundi, non là. Non, en France, il y a une violence. En France, il y a violence. C'est une raison. Et ça, il y a deux ans depuis Neymar te parlé de ça. Neymar te dit, pas aimé championnat en français. C'est parce que non seulement pour problème terrain, et puis tout, c'est pas tout terrain. Pas tout le monde pense stade Paris Saint-Germain. C'est lui-même, depuis l'équipe, c'est lui-même qui fait championnat. Mais un championnat, c'est tout pays à qui fait. C'est tout côté football à pour lui. Il dit que non seulement pour problème terrain, tout, ça nous est l'infrastructure, mais il y a problème tout, insécurité en dents. Championnat de France là, donc on capable voir ça comment ça produit tout et la fois dernière on capable voir quand on match gâté, public envahi terrain, jouer prend coup bagaille ça yo, et bien l'autre jour tout face à Paris Saint-Germain, capable voir objet cap voyer temps en temps match obligé camper, entraîneur pour entraîner à l'entraîneur équipe, il faut qu'il y ait sécurité me penser, et ça pas fait bonheur, il pas fait valeur football français là dans dernier moment de Jebouitis. Là et n'a prêté pour nous pour suivre pour nous connaître comment ça va aller, mais il pas bon du tout pour image pour tout le monde regarder en télévision et violence en lui-même li pas bon, mais Fatio tellement pas d'accord et pour équipe yo perdu yo besoin équipe yo gagne tout le temps et je de là bas comme ça Guigui ou gagne baladan c'est la vie même il gagne bas et faut qu'on capable accepter. Bagayo, j'ai revenu, mais fatigué, pas dans la question, accepté, non, là. Dirigeant, pour dirigeant, vous voulez plus d'un équipe, vous êtes dans l'état, ça. Mais c'est comme ça, bah, business, là, y'a. Papa, bah, y'a bon, mais on donc, et parfois, bah, y'a pas bon. C'est comme ça, là, on sait même jouer à tout, capable, ouais, jouer à la, en super forme pour le moment. Mais, je vais arriver au moment, là, pas rien qui fait qui bon, non, là. Hey, you have to, dans le moment, ça, jouer ou entraîner, au besoin de support. Mais équipe yo la gagne équipe précaire là équipe c'est Fanti qui dit j'ai équipe ça yo écoute yo parler docteur Abnel qui fait non il pas bon surtout dans petit pays yo ka faire football yo les nous dit surtout nous prend Haïti yo pral toujours gagne fanatique qui dit que si football la gagne violence en Angleterre gagne violence en violence a fait en France et on voit qui ça qui fait ou pas qu'à faire violence, parce que en pile fanatique par exemple perdu, surtout l'équipe qui t'a habitué te fait en pile temps fanatique, y a un fanatique qui par exemple perdu, c'est fanatique équipe qui toujours fait victoire, donc une fois l'équipe la vie en bien, c'est pas seulement fanatique AS qui ça toujours arrivé yo et depuis yo bat yo pas accepté défaite, mais football là c'est trois résultats lié, sauf ou faire un nul ou bien faire défaite ou bien préparer autour ou faire victoire, me penser et football là tout capable c'est un cassé sur monter pas gros équipe qui fait tout temps a fait tout temps battre une carrière que ils vont le pas font saison blanche, donc penser football là c'est comme ça lié jouer à tout jouer pas tout temps là toujours bail même Julie Tegan Messi côté gain 2015 2016 2017 2018 ou pas qu'à gagner
on Messi en 2021, même Messi 2021, ou pas qu'à gagner Cristiano 2018 là pour gagner Cristiano 2021, et c'est football là, c'est Koa qui m'a demandé ça, parce que Koa a gagné l'élément de Rigo, on l'a mis sur le bouquet, on l'a joué à gagner des problèmes de tendon, joué à gagner des problèmes musculaires, joué à pas qu'à arrêter 100%, il perdit Julie, que Claire tout, elle commence à rentrer dans l'âge, et me pensais Claire Bio, capable comprendre ça que faut toujours arranger l'équipe pour mettre joueur et pour capable satisfaire l'équipe parce que pour capable satisfaire fanatique parce que fanatique là il vient garder football c'est victoire vient chercher lui même pas bien qu'on est côté après jouer une victoire si comment plus vient chercher victoire c'est ambiance c'est dans victoire le prend lui donc dès pour commencer prendre défaite il commence à bouder et ben bouder son ouais il commence à bouder capable de devenir en violence des jeux et bon parfois dit j'ai retour il y a tellement que mais je ça et puis donc monsieur d'argent quelque quoi pour lui au père venir et puis pis devant bail la pas gâter non mais parfois oublier ses business à faire bon c'est ça même donc trois plans mon parfois trois plans mon pour jouer ou bien tous les décisions faites jouer on capable prendre c'est tout l'amour on capable prendre dans le monde qui victime Lionel Messi Barcelone victime tout parce que et on est capable de dire, mais c'est pas ta carte. Même si tu as un seul monsieur, depuis que tu as 11 bons acteurs sur le terrain, depuis que tu as 10 acteurs qui ont barré le boule pour, depuis que tu as Messi en ton terrain dans Barcelone, dans DG British, et Victor presque compté, mais si pas ta carte dans Barcelone, pour Barcelone, jeudi à la Barcelone, encore qu'à qualifier dans toute journée qui joue dans Ligue des Champions. Et position Barcelone là ou pas tabou Barcelone là et avec Messi de yon moun capable deal ou capable critiquer n'importe Jean Barcelone mais et départ Messi a faut doubler critique ou envers Barcelone et gen des joueurs ou pas ta supposé pour y aller ou pas ta supposé limoger dans certaines conditions mais c'est football le football là le football a gen des mesures qui prend parce que quand même pour crise coronavirus ça permet équipe pour prendre qualité mesure mais inapproprié et déjà British et me penser et football là et j'en nous sont dit là et faut fanatique yo mette de l'eau dans divin football là c'est un jouet qui vient pour ambiance d'abord c'est sport qui plus populaire lié donc il pas qu'à gain violence son sport de joie son sport de fraternité son sport de plaisir lié et football a pas apporté violence et sport même en général pas produit violence sport c'est tout en fait social lié donc je pense violence non seulement nous qu'on a prêché non il pas bon pour nous lève il y a violence à Haïti mais à niveau échelle internationale à tout fort et bon instance et en parlant de FIFA pour le capable prendre des mesures strictes envers et fédération envers et certaines équipes, certains pays pour capable contrôler fanatique au DG British. Effectivement, bon, et par le match qui va gagner là pour jouer journée qui va venir là, et surtout nous va gagner et à nous vérifier ça, après c'est nous là et mercredi matin dans l'émission Sport là, et nous gagnons Brésil et Colombie, voilà. Et on garde là ensemble avec Zamio. C'est comme ça, Sport réalier, tout le monde. Et nous parlons là, Équateur qui balance avec Venezuela. Et nous avons Paraguay, Chili, Pérou, Bolivie, Brésil, il y a même qui a pu jouer là avec Colombie. Et nous avons Ligue, Argentine. On vérifie Léo. Et on vérifie Léo là, surtout à partir de 4h PM, Eastern Time. N'a bien Équateur qui a pour avec Venezuela et 6h Paraguay Chili et à 7h30 et jeudi soir là waouh dans l'émission il a pas bien émission sport réel de nous là waouh et Brésil Colombie Pérou Bolivie et n'a bien et Pérou en Bolivie allez mais c'est pour 9h et est-ce Argentine non là mba Argentine non là les Argentina là et m'baoué les Argentina là et donc bah ça passe là mais bon. les Argentina échappé moi là et bon les Argentina similaire avec me pensais que comme yo dit les a changé Haïti tout mais m'pral bon les Argentina nous met continuellement bon les Argentina là qui est la vie pour Pérou à 9h avec Bolivie Brésil Colombie et Paraguay, Chili, et Équateur, eux-mêmes qui a bien joué
avec Venezuela et dans un compte qui a pris pour jouer dans le cadre 13e de ça. Et bon, pour Ligue Argentine, dans les mêmes. Ligue Argentine, c'est pour 12 novembre. Ok, 12 novembre, je vais me garder là, the next day. Et pour moi, commencer à appuyer là. Attention, bon. Pablier là, nous sommes plusieurs chapeaux, donc tu as bien le guise. Attention. En galé là, mesdames et messieurs. En allant dans l'Amérique du Sud, Bounoué, est-ce que. Oh, effectivement. Et nous avons Argentine Ligue, mesdames et messieurs. Et 12 novembre qui a venu là, Argentine Ligue, à 6 heures. Et c'est vendredi, juste à pied, docteur Abdel Logisson. Voilà. Argentine-Brésil. Eh bon, Argentine-Brésil. Argentine-Brésil. Argentine-Ligue, c'est pour 6 heures. Attention. Argentine-Ligue, c'est pour 6 heures, vendredi. Et qui a 12 novembre, qui a venu là, à côté de Ligue, même, il a recevoir l'équipe Argentine. À partir de 6 heures PM, Eastern Time, les Haïtiennes, les Américaines. Donc, il y a bien l'Ogissé. Et pour Argentine, c'est qui là la pied? Bon, Argentine a joué face à Brésil. Bon, Argentine a joué face à Brésil le 16 mardi cap 16 et 16 novembre. Non, et là, et à 8h30 dans l'heure Argentine. Non, et Argentine vient pour jouer face à Brésil. Et si Argentine vient pour jouer face à Uruguay, là encore. Et pour Haïti, Argentine, je pensais que si Argentine a joué 4 pour Haïti, et non, l'Argentine a joué à 5 heures pour Argentine. Comment Léa et qui l'a gagné en Argentine maintenant, Doc? Non, actuellement, là, je gagne 6h52 en Argentine. 6h52, vous avez 2-7 ans par rapport à Léa Haïtienne. Exactement, parce que Léa, il était gagné 1 heure de temps et par rapport à Léa Haïtienne, même comme nous disons. Bon, nous même nous changer les habits mal, nous quitter pays pour nous changer les habits mal parce que pays a été bon, exactement, parce que actuellement là, actuellement là c'est radement tout m'a préparé là, non une heure encore, qu'est-ce qu'on fait noir là, ici là actuellement là non 15 minutes là, pas m'obliger pour y passer lumière, attends quand même parce que et oui. Mardi qui a venu là, la 6h30, laisse à la 4h, notamment 8h30 pour, ouais? Exactement, c'est-à-dire Argentine-Brésil, cap joué le mardi, cap 16 novembre, non? L'a joué, Argentine a joué à 8h20, à 8h30, et puis l'a 6h30 pour la Caïnou en Haïti de Jean-Louis. La Caïnou et puis donc aux États-Unis. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Nous sommes là. Ok. Oui, on va parler d'une journée qui parle tout à fait intéressant. Colombie, Paraguay, Argentine, Brésil, après Venezuela, Pérou, Bolivie, même qui a pris pour jouer avec l'équipe Bolivie, a joué avec Ligue. C'est des matchs qui parlent tout à fait intéressants. Après, on va retourner sur une journée, ça. Mais l'autre journée à lui-même, journée qui est venue là, et surtout Équateur, Venezuela, Paraguay, Chili, Pérou, Bolivie, Brésil, Colombie, c'est pour donc jeudi soir. Et puis donc en vendredi, nous avons gagné Ligue ou même. Après, on est avec l'équipe Argentine, mesdames et messieurs. Voilà. Bon, Bagala Mangomé là, et surtout match éliminatoire au même qui tout à fait intéressant. Et puis nous pour aller dans la Wonderstad, donc, et nous croyons que les bons, et là pour aller dans la Wonderstad, puis c'est championnat européen, c'est arrivé jouer. Si nous avons équipe Paris Saint-Germain, finalement, Neymar là, et pour saison là, Neymar m'a condoublé, et docteur Abnel Augustin. C'est Neymar, tout le monde a souffri pour Neymar. Et finalement, Neymar m'a condoublé là. Et donc, il y a bien. Non, je pense que moun ki jokan le Brésil, yo bien fanatique Neymar. Yo Neymar est toujours grand pile fanatique. Et fanatique Brésil, yo toujours supporté. Monsieur, vraiment, il y a là, après la crise économique, il y a même fait Messi Binabio dans la même équipe avec lui. Et tout le monde, Saint-Germain.
on dit que Paris c'est le monde, mais dit son Brésil, Argentine, et le gars, donc on voit que n'importe un acteur, que n'importe et 8 Sud-Amérique dans mais bon, et Neymar vraiment mal et démarrer différent avec Messi parce que Messi est un nouveau venu, mais ou même ou bien 2-3 ans dans l'équipe, pensez que ou habite rien ou habite à quelle équipe là et que tant plus bagaille dans mon que Messi et Neymar besoin marqué. Je fais un doublé vraiment qui est bon pour monsieur, qui est bon pour moral, monsieur, tout, parce que monsieur Bétoin et Bapari, plus non seulement dans le championnat français, mais tout dans la Ligue des Champions de Djibouti. Effectivement, le championnat des Français dans la 4e junior, équipe Wensan, Battle Lyon, Kada 1, Nice, Montpellier 0-1, Saint-Étienne, Clermont 3 goals à 2, OM Saint-Monaco 0 partout, Nantes, Strasbourg 2 partout, Lorient, Brest. Et 1-2, et équipe Marseille Metz, je te fais Zobi Batou, Paris Saint-Germain, même qui était pour avantage devant l'équipe Bordeaux, 3 goals à 2, doublé de Neymar, et puis donc Kylian Mbappé, qui est arrivé marqué Paris Saint-Germain en tête 34 points, Lens 24, Nice 23, et puis donc Marseille avec 23 points. Dans le pays de l'Allemagne, et dans le pays de l'Allemagne, lui-même, nous gagnons Bundesliga, lui-même qui a avancé, et surtout nous gagnons l'équipe en France, mais qui bat l'équipe de Fortland 2-1. FC Cologne, Union Berlin, 2 partout. Eta Berlin, Bayern Leverkusen, 5 goals partout. Davalgué, Leipzig, Dortmund qui tombait devant équipe Leipzig là, 2-1. Beaucoup bon, Offenheim, 2-0. Stuttgart, Amina Belfeld, un goal à 0 pour équipe Amina Belfeld là. Bayern Munich, point avantage devant équipe Fribourg, 2-1. C'est tout noté gagné. Au Berlin aussi qui était arrivé, marqué Wolfsburg, un goal à 0. Classement Bayern Munich en tête 28, Dortmund 24, Fribourg 22, Wolfsburg 19, et nous avons équipe Bayern Munich, Dr. Abner Loguessin, équipe Bayern Munich, ça lui-même, équipe ça lui-même, qui a dominé championnat d'Allemagne, et après, de fait, équipe qui est le Dortmund lui-même, ça permet de champ libre pour équipe Bayern, Dr. Abner Loguessin. Non, Bayern pas gagné pareil. Bayern gagne que n'importe 10 années là. Donc, c'est lui-même qui met championnat et d'Allemagne là. Donc, je pense qu'il toujours toujours produit des bons joueurs, non seulement en championnat là, ni dans Ligue des Champions, même quand Bayern monte pour le joueur à Munich et tête au chaud. Et contre, c'est on pas gagné tout dans ça si Bayern qui a été classement. Mais depuis Bayern qui a été classement, c'est difficile pour prendre non même. C'est parce que l'autre semaine, là, après quelques jours encore, pour commencer à gagner un monde qui est en champion depuis le championnat, je pense. Et Bayern a fait une très bonne saison et des Jébouitis. Équipe Manchester City a même qui est arrivé imposé devant équipe Manchester United là 2-0 et Eric et Bali qui était donc marqué contre Kanli Bernardo Silva c'est le même qui a scoré pour équipe Manchester City hein, et encore qui a battu 2-0 pour monsieur Pep Guardiola devant Manchester United, Cristiano Ronaldo, Chelsea Ben Lyon, goal partout, Brentford, Norwich City 1-2, et Crystal Palace, Wolverhampton 2-0, Brighton, Newcastle, yon goal partout, Leeds United, Leicester, yon goal partout, et Everton, Tottenham, Zobi Batoun, Dabalgué, Arsenal, t'as fait tomber équipe Watford, yon goal à 0, Liverpool tombe jeudi en là devant équipe West Ham, West Ham yon même qui bat 3 goals à 2. Chelsea en tête, 26 points, Manchester City 23, West Ham 23, Liverpool en 4e 22. C'est une dernière équipe Manchester United là, qui est en 6e position avec 17 points dans le derby Manchester. Hein. Mais c'est Pep Guardiola là, tes points avantage devant l'équipe Manchester United là, Dr. Abner Oguissin. Non, bon, comme d'habitude, et championnat anglais, c'est toujours un championnat qui est toujours plus serré, et c'est championnat qui pas jamais gain, qui toujours champion, toujours sorti parfois à la dernière journée, et c'est pas championnat que moun gain tant champion depuis non, deuxième, depuis deuxième tour de Maro, déjà champion, tant que Jean Paris Saint-Germain qu'on fait, tant que Jean Bayern Munich toujours, presque toujours fait, donc, championnat anglais, c'est un championnat qui est vraiment équilibré,
et au capable ouais comme un classement hier parfois là je pas joindre Liverpool tout le monde bat tout le monde et Liverpool capable tomber Manchester City capable tomber parce que gain des grandes équipes l'on prend Chelsea ou toujours joindre Liverpool qui capable détonner qui capable dévier Manchester United Manchester City capable dévier Liverpool Chelsea capable dévier Tottenham pensez que presque toute équipe et en Angleterre toujours c'est équipe prioritaire ni dans Ligue des Champions ni la caillou et c'est pas pour sans raison qui fait nous sommes dit ça alors toujours joindre en pile grand entraîneur en pile jouer toujours à faire carrière en Angleterre parce que et c'est un championnat qui vraiment offre un très bon challenge mais et match Manchester City Manchester United là j'en mon tapant un bon spectacle parce que bon match qui était tellement offert c'est tellement de bons spectacles surtout et Manchester United perdu en pile ballon, pas tellement de récupération, attaque la pas tellement modé, c'est pour match qui était tellement gain page en plus monde d'attendre mais il y a encore bonnet et 26 23 22 et au cap monde qui dans tête placement au championnat vraiment sérieux de Gibraltar. C'est ça. Et n'a pas direction l'Espagne pour aller la Ligue Santander. Ligue Santander mais nous gain la équipe équipe qui est le FC Barcelone, il fait machine et qui est pas tellement fort pour eux. Barcelone qui fait machine avec Celta Vigo, 3 goals partout. Et Ansu Fati qui est marqué, qui est blessé, Sergio Busquets, Memphis Depay. Et Memphis Depay, mais nous avons gagné l'équipe Celta Vigo lui-même. Nous avons arrivé. Et je vais égaliser à ce moment-là, on fait un contre la rencontre. Ça va terminer 3 goals partout. Et Philippe continue là, tu finis à chauffer pour l'entrée. Mais après ça, là, moi, je ne sais pas entrer. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, entrer? Je vais tourner sur ça. Et ce moment de Barcelone gagne à 2-0. À la verse, Levante 2-1. Real Madrid, Rayo Vallecano 2-1. Tony Cruz et Karim Benzema qui sont donc arrivés marqués. Villarreal, Getafe, un goal à 0. Valence, AT Madrid, 3 goals partout. Et dans ce match-là, Valence lui-même, j'ai une égalisation avec Hugo Duo, et qui m'a doublé. Et Suarez lui-même, qui te permet de ouvrir le score pour l'équipe AT et Madrid. Là. Et même, nous avons venu gagner là, et un autogol de Savic. Mais après, tu as gagné Griezmann, tu as gagné au Edge, là, et si tu as venu gagner. Et monsieur qui est le 6 mai qui va arriver score un troisième goal pour Madrid maintenant fin maintenant balance avec un certain de Hugo Duro lui-même qui permet et qui va lancer fin maintenant Real Sociedad Osasuna 2-0 et Real Maroc et Elche 2 partout Séville et dit Séville 2 goals à 0 classement qui dominé par équipe Real Sociedad là lui-même qui retourne un point en tête classement dans mes équipes Real Madrid là, Real Sociedad 28, Real Madrid, Séville 27, et puis AT Madrid qui est en 4e position, avec notamment 23 points, Dr. Abnel Augustin. Bon, bah c'est deux grosses surprises qui gagnent dans le championnat là. C'est résultat Atlético Madrid, et puis le résultat Barcelona, que vous avez mené. Si vous avez mené 3-0, vous pensez que vous équipe arrivé à faire 3 goals et équilibrer, bon, égaliser. Ça, non, football là, c'est qu'on s'allie, et dès que vous faites, vous avez payé, Real Madrid, parce que Real Madrid te fait bon pas, parce qu'il fait victoire, mais pas bien actuellement là, après Atlético Tekken, peut-être classement, vient Real, équipe Real Sociedad là, tout capital et tout. Cap cherche un bagage donc il cherche un bagage et des clubs cherche ou jouer bien performé dans football là ou bon résultat c'est sur terrain bien donc je pensais que c'est Barcelone puisque Barcelone gagne un nouveau entraîneur et je pensais ça gagne pour devoir qu'il va chercher des bons joueurs mais et continue son crise liée en dans équipe Barcelone parce que non seulement pour quoi bio t'acheter ils ont vraiment critiqué Coutinho en presse espagnole, presse internationale là et Coutinho vraiment critiqué et pensé puis non
Coutinho. Coutinho, c'est un nom monde qui t'a supposé aider Barcelone, qui t'a supposé prendre équipe là là en absence de Suarez, en absence de Messi, en absence de Griezmann, parce que Coutinho était capable un résultat, mais c'est tout à fait que Coutinho semblait que n'est pas gagnant envie, n'est pas envie jouer tout pour FC Barcelone, donc c'est un joueur qui méritait pour libérer parce que ouais, joueur pas joué avec toute volonté le souterrain et Coutinho pas offrir saleté qu'on offrit. Et en équipe Bayern ou bien en équipe Liverpool là même dans sélection brésilienne dans en temps partiel de Jean-Louis. Ah ben vraiment là les joueurs pas les joueurs là et joueurs lui même capable permettre de mélanger équipe là il y a qu'à mélanger équipe depuis joueur pas depuis joueur pas c'est là les libérer lui s'il y a un problème parce que pas oublier Barcelone son équipe crisée pas avoir problème économique parce que pas oublier après Barcelone surtout crise dette Barcelone t'a gagné grand pile 20% de salaire à 15% donc en pile grand pile et mécontentement grand pile mécontent tout en dans équipe barcelonaise bon et Coutinho aussi qu'il pas voulu jouer donc et, j'ai demandé pour le faire outre parce que Barcelone besoin un joueur qui a envie d'aider parce que Barcelone besoin aide chaque grand joueur de Jiboutis. Normalement, ça allait même, mais Barcelone a même besoin d'aide pour capable sortir côté de rien là. Puisque il a besoin d'aide pour capable sortir. Et Baba. Ouais, on met continuer. Non, parce que la même aide pour sortir côté de là, si pas fait ça là, équipe là, équipe là pas fait fond. Exactement, parce que Barcelone, Green Moon Barcelone t'a compté sur lui. C'est jeune et ainsi fatu. Bon, pour l'âge, monsieur, tout, je vous présente. On est toujours bon. Allô. Oui donc voilà donc. Ouais. Il m'a avancé ou des petits coups légèrement. Quand il vent là ça passe bon, j'aime dire là et moun Barcelone t'a compté sous lui là vraiment qui bat Barcelone une grande victoire là Barcelone t'es vraiment soit une victoire dans Ligue des Champions là ouais je sorti sous blessure et monsieur tout la fois dernière là il saute fait combien moi là et sous un comment me dire cadeau ça l'infini jodi à la que monsieur retourne encore blessé c'est jeune fati donc et, si on jouait capable et ou pas blessé ou pas en baisse, je pense que Coutinho gagne pour l'aider Barcelone avancer parce que Barcelone vraiment en falaise là non tout et on joue pour Coutinho on voit qui gagne non on bon joue tant pour Coutinho il t'a supposé aider équipe FC Barcelone en deuxième mi-temps et n'a pas été rapidement et si tout nous gagne là et championnat d'Italie et bon championnat d'Italie lui-même depuis le championnat d'Italie ça m'enri oui ça que c'est pas prêt m'a voyé et championnat d'Italie aller même dans 12e journée hein d'avoir gagné équipe en poli génois 2 goals partout les aspects un gol à 0 Juventus bat équipe Fiorentina Juan Guardado lui-même qui est donc arrivé marqué pour Juventus et Gagliari tombe devant équipe Atalanta Bergame 1-2 Venise AS Rome 3 goals à 2 Bologna et Sampdoria 2-1 Udinese, Sassuolo, 3 goals à 2. Lazio de Rome, Salé, Nitana, 3 goals à 0. Et nous avons là deux équipes qui sont en l'air. Là. Ils avaient fait match. Naples, et Lazio a eu un goal partout. Milan a fait. Inter de Milan, un goal partout. Naples en tête 32. Milan 32. Inter avec 25 points. Atalanta, 22 points. Et Juventus juste en 7e position. Mais équipe Milan a fait à lui-même. Et nous connaissons qu'il va régler en dans la Ligue des Champions, on gagne point. Et championnat, même avec après c'est là, c'est capable de kembe. N'a fait machine qui bon pour eux. Docteur Abdel Ogissé, nous croyons qu'il gagne point ça quand même. En quelque sorte, mais à domicile, fait machine avec Inter. Bon, c'est la garçon derby. Derby, il n'est même pas facile. Bon, derby. Il y a un peu d'excuses pour nous.
défend Milan. Non, Debia, pas bien. Debia, c'est tout à fait marché. Non, on qui dit qu'il va recevoir. Logan ASFK. Et quand vous pensez, son débilier, même si c'est Fika qui a pressé, donc n'importe qui est capable de faire victoire, parce que fanatique, tout le monde est capable de rentrer sur le terrain, c'est tout à fait psychologique, puisque c'est vous-même qui a pressé, vraiment. Et je pense que Milan, en parlant de Milan, Milan vraiment a offert un très bon spectacle dans le championnat italien, mais dans la Ligue des Champions, côté qui gagne gros, puis côté capable de son mondial des clubs, bon, en Europe, bon, Milan vraiment a offert rien. Ça montre que le championnat en Italie a vraiment en baisse, parce que si qui sont capables de gagner cette classement, tu as supposé dans un groupe, dans une phase éliminatoire, pas même dans le cadre de finale, où tu as supposé bailler des résultats. C'est tout à fait, non, c'est un match nul. Après ça, c'est toutes ces défaites offertes. Bon, c'est qui part faire bonheur et qui passe tellement faire bonheur avec chapeau que Milan gagne dans le championnat d'Italie. Et Juventus détruit, hein, que depuis le dernier moment, là, nous, Juventus, bon, panne victoire, mais ils ont arrivé à faire victoire avec de Colombien, Guardado, vous pensez, et Juventus vraiment, et besoin de faire victoire pour le prendre place lui, et Juventus quand même était comme une grosse tête dans le championnat d'Italie, des Jebouitis. Mais Nap pas bien, Nap, c'est pas une mauvaise équipe du tout, et Nap toujours, depuis dans deux, trois dernières années, Nap toujours, et prend place lui, toujours bien classé dans le championnat d'Italie, et des Jebouitis. Mais l'encore bonnet, et ou gagne ou capable joindre Juventus qui n'a pas qui gagne 5e place là dans main li et ou capable joindre Inter de Milan 3e position avec 25 points capable toujours récupérer place li Milan avec Naples doit faire tout bonheur ou même doit faire tout effort possible pour kembe tête classement mais non seulement en championnat d'Italie tout ou capable kembe tête classement championnat d'Italie mais faut que tu arrives battre pour est ou tu as même passer phase éliminatoire dans la Ligue des Champions pour capable jouer pour capable jouer 8e de finale qui capable faire valeur non seulement victoire ou faire la caillou tout mais pour capable voir que ou mériter place ou gain en première position dans le championnat d'Italie de Juventus. Effectivement et puis nous pour aller vite pour aller terminer n'a pas rappelé que dans NFL là dans cadre 9e journée hein, équipe New York Jets tombé devant équipe Indianapolis Colons 45-30. Atlanta Falcons New Orleans Saints 27-25. Denver Broncos fait tomber équipe quoi Dallas Cowboys 30-16. Tampa Bay New England Patriots fait tomber équipe Carolina Panthers 24-6. Victoire d'équipe Minnesota Vikings en quelque sorte de fait l'équipe Minnesota Vikings au dépend de Baltimore Ravens 34-31 et nous avons gagné Denver Cleveland Brown eux-mêmes qui bat l'équipe Cincinnati Bengals 41-16 et nous avons gagné équipe Jacksonville Jaguars qui bat Buffalo Bills 9-6 Miami Dolphins font deuxième victoire après 9 sorties là Miami Dolphins fait une équipe Texans là et Texas là les mêmes affaires de 17-9 dans ce qui concerne de la NFL et New York Giants eux-mêmes qui débattent équipe Oakland Raiders 23-16 et puis on a parlé dans NBA là on a terminé surtout nous gagnons là et NBA les mêmes qui a fait chemin là surtout nous avons gagné équipe Dallas Miami Heat équipe Sayo qui était donc et fait victoire là et fait victoire là c'est tout noté gagné équipe qui relait dans cadre rencontre qui était joué hier équipe Miami Heat qui débat équipe Utah Jazz 118-115 Denver lui-même qui fait tomber équipe Houston 95-94 tabal gagné victoire de l'équipe Philadelphia Sixers au dépend de Chicago Bulls 114-105 Dallas et Maverick bat équipe New York Boston Celtics 107-104. Atlanta Hawks même qui te prend avantage et qui te tombé. Attention, Atlanta Hawks tombé devant Phoenix 121-117. Los Angeles Lakers tombé devant Portland 105 et à 90. Et à l'heure actuelle, nous gagnons rencontre qui a joué et surtout nous gagnons équipe et Brooklyn qui a vu avec Toronto, rencontre ça lui-même. Brooklyn a dominé l'équipe en Toronto
88 à 77, plus tard, par exemple, Cleveland, New York, Utah Jazz, Orlando, Milwaukee, Washington, Indiana, Sacramento Kings, San Antonio, Oklahoma City, Utah Trent, Houston, Golden State Warriors, Charlotte, Los Angeles Clippers, qui vient pour jouer à partir de 9h du soir dans sa conférence de la NBA lui-même. Donc NBA qui a fait petit bonheur de chez Meli. Nous sommes contents pour être ensemble, mais nous espérons que après nous avons l'autre édition, puis c'est là, et souper, cabal, c'est agenté, nous avons parlé, nous avons tellement busy, par un fou espace. Mais le moment où nous avons parlé, nous avons parlé, docteur Abnel Augustin. Voilà. Non, c'est un plaisir déjà, British, puisque Saint-Louis du Nord TV, c'est là qu'il nous lié et vraiment occupation nous a permis nous absents, mais et nous tout nostalgie, cher de Poula, toujours dans nous pour Saint-Louis du Nord TV, puisque c'est une télévision qui grand groupe monde, c'est une télévision qui offre promo, qui fait la société, qui fait promotion et pour surtout nous très focus sur ça qui passe dans le pays nous. Et je pense que tout le monde a un nécessaire pour capable appuyer et Saint-Louis du Nord TV, non sauf avec un like ou bien avec un abonné ou bien assistance ou parce que quand même c'est fanatique qui fait nous là, qui ban nous j'arrête, qui fait nous là, qui ban nous envie tout, c'est fanatique nous gen, qui capote nous Brésil, Chili, République Dominicaine et États-Unis, tout le monde ça yo son beaucoup de chapeau, nous remercions, on a toujours remercié pour tête yo ban nous support nous pour écouter yo et nous ça yo même qui ban nous envie tout pour nous capable toujours et venir en sous channel là pour nous capable toujours venir sur télévision pour nous porter quelque chose et déjà British. Nous souhaitons tout le monde passer une excellente soirée ou bien un bon matin parce que gen côté tout y a tant de nous tout parce que nous tout côté gen moun se lever ou pas lever là, gen moun tout se coucher là ou pas coucher là. Tout pense que et Saint-Louis du Nord TV jusqu'à présent nous c'est un bon morceau non dans sa ouais les télévisions là et là dans sa dans promotion dans toute sa nappette et je me dis je pense que n'a pas avancé nous là voilà et mesdames et messieurs donc docteur Abnel Augustin depuis Argentine et même à l'espace de sport réel nous sommes contents pour être ensemble et nous gagnons là pour nous retrouver nous dans l'autre édition et surtout mercredi qui a venu là, et si vous voulez, nous sommes présents dans l'émission sport là, et surtout de jeudi soir, à Brésil et Colombie, tout, c'était 30 dans l'émission, hein, vraiment, et super, n'a pas répondu à tout, venons. Restez et abonnez à la page et télévision, hein, et surtout, pas oublier, checkez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et visitez un pari télévision, c'est étoile de presse, c'est un print TV, capable de toujours faire ça, et pour contact nous tous, qui c'est 954-822-7751. Merci bien à tout le monde, nous sommes contents pour nous ensemble, nous espérons que, après nous venons dans l'autre édition, c'est les hommes et par où, le foot boutique, c'est Dr. Abnel Augustin à l'espace de sport réel. Merci bien. Allez, bonjour, bonsoir à tout le monde. On arrive dans l'autre édition. Ciao. Allez, bonne semaine à tout le monde. Assurance santé, nous mettons santé à numéro 1. Tout au cours de la vie, nous là pour nous servir.
d'affaires assurance santé, assurance vie, taxes, une seule compagnie. Dans la vidéo, apprenez aujourd'hui une bonne assurance santé dans gros compagnie comme vous, Embedder, Oscar, Act, Bright Health. Côté qu'on carré docteur gratis, côté que n'importe qui se présente au besoin, vous êtes capable de le gratis. Bon prix. Un seul numéro pour servir 954-909-5123, 954-909-5123. TapTap Now is a mobile app that allows users to locate Haitian restaurants anywhere in the world. Quel que soit côté où y est dans le monde, si vous cherchez un restaurant haïtien, montez sur TapTap Now. Que vous soyez à Paris, London, Inch, Jacmel, Hawaii, Toronto, Guadeloupe, Chili, Atlanta, Saint-Louis du Nord, nous là pour. For the restaurants in the U.S. and Canada, we offer a takeout option. Please contact us for more details. For Haitian food anywhere in the world, don't forget to tap, tap now. Le tennis, cyclisme, natation, arts martiaux, entre autres, avec un de nos correspondants, consultes, analystes et journalistes au Cap, au Caï, à Port-au-Prince, à Jacques Mel, au Gonaïve, à Port-de-Paix à travers le monde, Sport Réel vous informe en temps et lieu réel chaque dimanche 2h-5h PM et les mercredis 9h-11h AM sur SaintLouisDuNord.tv. Avec Wilfried Butus, Sport Réel, c'est la réalité du sport. Sport.